Yo. Whoa. 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 Holy. Yes. Huh. Huh. Whoa. Pull up on 10 with ease. Know what it meant to be. Money don't grow on trees. Son got a hands on me. Gloria, gloria, Dios. Gloria, gloria, Dios. Gloria, gloria, Dios. Gloria, gloria, Dios. I've been in my A. Promise I'm on my way. Ain't no time to waste. Till daddy back and stays. Grandma got her visa. She about to take a plane. Shout out to Elise. Yeah, her son about to take the game. Ain't no worries, ain't no hurry. I buy really fighting for me. No side, no me. That's lil' holy. I'm on 10 with all my woadies. I've been good. I'm okay. Dodging bull like Olay. This my year. This my day. Oh, damn. I just, I'm on a whole nother level. I'm dodging the devil. They hitting my line and I block. Finally better. They watching novellas, but I need the drama to stop. This that gleam. This that super speed. Skrrt on the beat. This that beam. This that 116. You can't touch the team. Pull up on 10 with ease. Know what it meant to be. Money don't grow on trees. Son got a hands on me. City get no sleep, they keep
can't even call. Could deal like a friend when there's money involved. I make a bang on the beat. Allez, bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bienvenue sur la chaîne YouTube du Thonon Evian Grand Genève. Poursuite cette rencontre qui va opposer le Thonon Evian Grand Genève 10e à Alès 13e. Il sera en ma présence pour commenter ce match. Valentin Lénard, salut Val. Salut Evan, salut à tous. Très content d'être là pour commenter ce match. Avec malheureusement la blessure, je ne peux pas être sur le terrain. Donc je suis content d'être avec toi pour commenter. On voit que vous êtes déjà nombreux sur le live. Et on vous en remercie, chers téléspectateurs. C'est un gros match qui attend le Thonon Evian Grand Genève. Ce soir, on va rappeler le contexte. Une équipe d'Alès qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 7 octobre dernier. C'était contre hier et une victoire de 2-1. Quant au Thonon Evian Grand Genève, le dernier succès à domicile remonte au 25 novembre dernier contre le TFC. Une victoire 4-1, dont un triplé d'Ilyes Chaibi. On va évoquer donc le classement et les rencontres de ce vendredi qui sont passées donc. Le 15 mars à 19h contre Le Puy et Chamalières. Une victoire 3-1 du Puy qui confirme et qui passe devant Aubagne au classement à 1 point. Les rencontres de 18h. Aubagne reçoit Bourgoin-Jallieu. La SCAN reçoit le TFC. Hier reçoit Fréjus. Andrézieux reçoit Jura Sud et Pays de Grasse reçoit le Sporting Club Toulon. Pour les compositions d'équipe, on va évoquer celle d'Alès avec au gardien Éric Moreau, qui est formé à Châteauroux, 26 buts encaissés cette saison. Une charnière centrale qui sera composée de Yann Djabou et de Pierrick Cro. Sur le poste de latéral droit, Tom Duponchel, le numéro 12. Jérémy Yafrat occupera le poste de latéral gauche. Deux numéro 6, Daïssam Ben Nasr, accompagné de Théo Perrard. Baptiste Gianni, qui a effectué son quatrième match de la saison en numéro 10. Et une attaque à 3 avec Lucas Franco en attaquant de pointe. Enfara Diaby à gauche et Jérémy Balmi à droite. Pour la formation de Brian Bergougnou, c'est une composition qui ne change pas forcément par rapport à ce qui a été fait contre Jura Sud la semaine dernière, avec dans la présence de Modiba au poste de gardien de but, Anthony Scaramodino et Nathanaël Dieng assureront la charnière centrale du TEGG. Wassim Amadi au poste de latéral droit, Tiekoro Keita au poste de latéral gauche, Cyriac Louvion et Wailé Safiani en deux, numéro 6, et une attaque à 4, j'aurais dit, avec Issaka Bamba, Mathis Cléricia qui seront très hauts et très percutant ce soir, accompagné d'Ilyes Chaibi et d'Abdoulaye Diaby. Allez, dans quelques instants, donc, les joueurs vont faire leur apparition ce soir. On va évoquer donc les confrontations directes des deux équipes. C'était au match aller, Val, avec un superbe résultat à l'extérieur, 2-0, un match exceptionnel. Ouais, exact, c'est un très bon souvenir. En plus, personnellement, avec ma première en N2, puisque j'étais rentré en fin de match. On avait réussi à ouvrir le score à 5-10 minutes de la fin et donc il y avait eu un petit changement tactique. Le coach avait fait une défense à 5. Donc j'étais rentré, on avait fini le match magnifiquement avec un super but de Pascal. Les puristes de QDF, je pense qu'ils peuvent s'en souvenir. Ouais, il avait marqué son premier but, Pascal Leno. Exact, premier but et en plus vraiment magnifique, qui nous avait libérés et une magnifique victoire 2-0. Donc forcément un bon souvenir et j'espère qu'on va réussir à faire la même chose ce soir. En parlant d'Alès, tu as joué lors de la saison 2021-2022, si je ne me trompe pas. On voit que les supporters bien présents ce soir. Quel était l'engouement autour de cette équipe donc, quand tu étais en National 3 à l'époque? C'est ça, ouais, j'y ai joué pendant un an et demi puisque j'étais arrivé à la trêve. C'était des années un peu particulières parce que c'était là où il y avait le Covid. Donc quand je suis arrivé, la saison a été coupée. Ensuite, on avait réenchaîné une deuxième année et là, bah, ça a été coupé aussi rapidement au mois d'octobre. Donc des années un peu particulières. Et au niveau de l'engouement, comme tu me demandes, bah ouais, vu que Alès c'est un club quand même historique du foot français, qui a un beau passif notamment en pro, automatiquement il y avait déjà un bel engouement avec des supporters présents au stade. Il y a justement un stade avec une belle tribune, donc du monde toujours. Et ils soutiennent le club à tous les matchs et me font même les déplacements comme on peut le voir aujourd'hui. Donc bah, ça ne m'étonne pas de les voir au stade. On aura le temps de vous les... faire montrer les supporters d'Alès. Maintenant c'est l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse du stade de Vongy.
Merci aux messages d'ailleurs dans le chat aussi. Je vois quelques questions. Force à toi Val, merci pour vos messages. On va revenir comme il faut rapidement de cette blessure. Si vous avez la moindre question à poser à Val, il n'y a pas de souci, il les répondra avec plaisir. Ça permet aussi de mettre de l'interaction entre vous, téléspectateurs, téléspectatrices et nous, acteurs de cette rencontre. Pour vous faire vivre donc les meilleurs moments de cette rencontre et ce match avec une extrême intensité qui s'annonce. On l'a évoqué, les supporters d'Alès qui sont bien présents. Il y a aussi la présence des Tabanais ce soir, prêts à faire du bruit et accompagner le Thonon Evian Grand Genève dans un match qui sera sûrement décisif. Tu parlais des supporters d'Alès, mais à Alès, on n'avait pas eu droit à des retours comme nous ont proposé les Tabanais. Hein. Les Tabanais présents à 3h du mat, ça c'était quelque chose quand même. Et là, ils sont encore là ce soir, comme tu as dit. Donc ça régale, c'est important pour nous. Alors, je ne l'ai pas forcément évoqué, mais le capitaine de l'équipe d'Alès, ça sera Yann Djabou, le numéro 3. Bah d'ailleurs, qui était déjà capitaine hein, quand j'étais en National 3. Là, j'ai vu, par contre, je crois qu'il joue dans l'axe. Ouais, quand il joue dans présenté l'axe, l'équipe. Potentiellement au poste de latéral gauche aussi, mais oui, s'il sera bien aligné. Ouais, donc, D'habitude, latéral gauche, bon joueur, agressif, complet. Qui a la grinta, donc à voir au poste où il va jouer. Mais d'habitude, ouais, il jouait latéral gauche. Elle est l'arbitre centre de ce match, monsieur Lepay Cédric, assisté de monsieur Picard et de monsieur Diacre. Voilà l'entrée des 22 acteurs sur la pelouse du stade de Vongis. Ça a traîné un tout petit peu, ils sont bien là. Il y a du bruit, il y a de l'ambiance ce soir à Vongis. Tout pour vivre un match. Il y a du monde, il y a du monde. Hein. On voit que c'est un match à enjeu qui est important pour les deux équipes. Donc c'est bien qu'il y ait autant de monde au stade. Il y en a besoin. Et j'espère que ça va nous apporter un petit plus. Hein. Alors on vous confirme donc la présence de Yann Djabou au poste de latéral gauche. Et donc ça sera Jérémy Yafrat, numéro 15, qui sera aligné sur cette charnière centrale accompagné de Pierrick Croix. Ah bah d'ailleurs, il y a pas mal de joueurs hein, qui étaient déjà présents en National 3 à l'époque où j'étais. Tu as le gardien de but, qui est un ami à moi en plus, très bon gardien, Eric Moreau, qui avait d'ailleurs fait un match assez énorme à l'aller chez eux. Donc tu as Eric, tu as Théo Pérard, milieu de terrain, agressif aussi là, qui est titulaire. Tu as Lucas Franco, mais qui est sur le banc, il me semble. Donc, Lucas Franco qui est aligné devant, ouais, en pointe. Lucas Franco, le numéro 8. Ah ouais. Oui, exact, pardon, il est là. Yann Djabou, du coup, que je disais à gauche. Également leur deuxième gardien, Louis Laurent, un jeune. Et là, tu as un joueur aussi à surveiller qui est très bon techniquement, chevelu, Jérémy Balmy. J'ai joué avec son frère Adol également. Ça fait des joueurs, ils ont quand même gardé une petite ossature de cette époque en National 3. Et après les autres, ça a dû être des nouvelles recrues. Alors, Cyril Louvion, accompagné de Yann Djabou pour le TOS. Et c'est Alès qui va commencer donc avec le ballon. Et donc c'est Jérémy Balmy qui sera au poste de numéro 10. Et donc Baptiste Gianni décalera sur le côté droit. Voilà, pour comparer à ce qui était prévu. Ah, toujours des petites surprises. Des petites surprises, ça c'est classique. Un coup d'envoi donné par les Blancs dans quelques instants. Thonon vêtu de bleu, Alès vêtu de blanc. Et c'est parti pour 90 minutes dans cette rencontre palpitante à suivre. Les premiers ballons, c'est toujours important. Bien rentrer dans le match. Pas prendre de risques au début. Et Yafrat, le centre. Ça va arriver jusqu'à Franco. La déviation pour Ben Nasr. Et la bonne intervention de Tiko Keita. Un premier danger sur la cage de Modiba. Ah, le bon placement de Tiko qui lui permet d'intervenir comme il faut. Parce que sinon, ça aurait pu être danger. Mais c'est bien joué. Il a fallu être très précis sur cette intervention pour Tiekoro Keita. Et on va suivre forcément les rencontres de 18h avec notamment Fréjus qui se déplace à hier. Fréjus, adversaire de la semaine prochaine pour le TUGG. Ah, et le centre à venir au premier poteau. La bonne sortie de Modiba. Ça va rester dans la surface tononaise. Et la bonne intervention d'Itiaka Bamba. Allez, tout de suite. Bien joué, bien sorti par Modi. C'est important là en début de match qu'il arrive à rassurer la défense.
C'est son rôle et il le fait bien. Cyriac Louvion qui est donc capitaine du soir, qui a repris le brassard depuis son retour. Cyriac Louvion effectué son retour contre hier, le numéro 24. Qui est bien revenu, hein, qui a eu là justement, je le vis en étant blessé, c'est difficile d'être en dehors du groupe, en dehors des terrains. C'est des périodes qui sont toujours compliquées pour les joueurs. Là, ça a été son cas pendant un long moment et il est très bien revenu. Et franchement, ça aide bien l'équipe. Ça aide bien l'équipe, donc on est content pour lui. Ouais, défenseur expérimenté Cyriac Louvion, alors qui est maintenant au poste de numéro 6, passé par Tours notamment, qui a joué avec son coach Brian Bergugnou. À l'époque c'était en Ligue 2, il a de l'expérience Cyriac Louvion. Ah, il a même pas mal de matchs de Ligue 1, hein, au Mans notamment si je ne me trompe pas. J'avais fait la petite présentation dans QDF. C'est une vraie belle carrière. Hein. On parlait aussi de toi Val, hein, par rapport à Alès. Il y a un ancien joueur d'Alès qui est maintenant à Tonon, c'est Abdoulaye Diaby. Exact, ouais. Qui rencontre son ancienne équipe ce soir qu'il avait rejoint le 1er juillet 2022 à l'occasion de la montée en N2 du club alésien qui est passé par Canet en Roussillon notamment. Qui a beaucoup d'expérience dans le sud de la France. Ouais, Abdou, il a beaucoup d'expérience en National 2. Hein. Ce championnat, il le connaît bien à travers différents clubs. Et là, c'est vrai que ça doit être particulier pour lui. Il y a quelques mois, il était de l'autre côté. Il n'avait pas joué contre nous, par contre, au match aller. Je sais plus. C'était un autre Diaby. Il était suspendu. Diaby qui avait joué le numéro 17, Tenfara, qui est arrivé cet été du Blois Foot 41. Et lui aussi, ce sera un joueur à suivre. Très percutant. J'ai posé la question à Abdou en 4 buts. Est-ce qu'il va célébrer ou pas? je laisse le suspense qui a marqué. Ce sera un coup franc donc à venir pour le TGG avec Anthony Scaramodino. Le pied gauche de Scara, souvent bien frappé. Pour mettre dans la boîte le danger. Et il y aura Wassim Mamadi, surtout la bonne sortie d'Éric Moreau. Eric, gardien très complet, qui est capable aussi bien d'être bon et à l'aise dans les sorties aériennes comme sur sa ligne, qui a un bon jeu au pied. Franchement, c'est un vrai gardien très intéressant en tout cas pour ce championnat. Et Gianni en déviation, Ben Nasr. Un beau mouvement sur le côté droit pour Alès. Et finalement, ce ballon sera sorti. Et on parlait de retour aussi de Cyriac Louvion. Il y a aussi la présence de Nathanaël Dieng qui a fait son retour contre Toulon lors de la victoire 2-1 du TUGG. Il nous porte peut-être chance, Nathan, depuis son retour. On n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Et puis il était. Il évoluait l'année passée au Red Star avec notamment Habib Bey pour ceux qui le connaissent. Ballon dans la surface, c'est la bonne sortie d'Éric Moreau. Anthony Scaramodino qui va laisser ce ballon passer trop profond pour Lucas Franco. On se plaint d'un écho, on essaye de résoudre ça. Je débranche. Là c'est les aléas, hein, les gars. C'est aléas du direct forcément, on n'est pas Canal Plus, mais on essaye de faire avec nos moyens. Allez, Modiba avec Anthony Scaramodino. On essaye de débrancher les micros, on essaye de régler le problème le plus rapidement possible afin de vous faire suivre le match en haute qualité. Ouais, il faut. On vous écoute, j'espère que c'est mieux. Allez, Wassim Mamadi. La régie du Teg en sueur. Ouais, il travaille d'arrache-pied. La régie, ils sont deux, donc il faut travailler deux fois plus. Ouais, bien joué, Sire. Pas de risque là. Et c'est Pierrick Croix qui était sur le ballon, formé à l'AS Saint-Etienne. C'est son 7e match de la saison. Il est arrivé cet hiver. Le central numéro 24. Et ça sera un coup franc à venir pour le TUGG. Avec Ilyes Chaibi qui va le jouer vite avec Wassim Mamadi. Et ça sera un ballon trop profond pour Issa Kabamba. Ça va arriver. Il peut peut-être aller gratter, les empêcher de ressortir bien. Et Tom Duponchel avec Gianni. Mais toute l'explosivité de Tchikoro Keita pour gérer ce changement de rythme. Balmi, sous la pression d'Abdoulaye Diaby, deux anciens coéquipiers. Ah, tu parlais de Nat tout à l'heure, très propre. Tu vois des ballons qui paraissent anodins comme ça, mais il les contrôle bien, il relance bien.
On sent toute l'expérience du national acquise par. Et l'expérience de la Ligue 1 de Syriac. Bien défendu. C'est Jérémy Balmi qui reste à terre. Ah, c'est défendu intelligemment. Il a su passer sa main devant le corps de Jérémy. Et du coup, pas de faute. C'est bien joué. Alors, Val, il y a une petite question dans les commentaires. Tu reviens quand ? Alors, c'est une bonne question. J'aimerais bien te répondre exactement. Mais là, on est. J'en parle justement dans les QDF. On est plutôt sur la fin. Il m'avait annoncé 6 semaines avant de pouvoir m'entraîner avec le groupe. On est à la 5e semaine. Donc là, j'ai pu retoucher le ballon, j'ai pu faire un check chez le doc aussi à la moitié qui m'a un peu parlé de mon évolution et c'était plutôt positif. Donc j'espère pouvoir m'entraîner avec le groupe d'ici une semaine, 10 jours pour pouvoir être convocable d'ici 15 jours à peu près. J'espère être dans ces timings-là. Mais c'est vrai que la pubalgie, c'est une blessure assez traite que je ne connaissais pas, qui est très très douloureuse, qui est très différente selon les personnes et selon les cas de pubalgie parce qu'il y en a de nombreuses aussi donc on essaye de faire comme il faut, on est bien entouré, bien soigné et j'espère comme je t'ai dit voilà, d'ici 15 jours pouvoir être avec le groupe en championnat. Ah, tu n'es pas le seul à souffrir d'une pubalgie hein, Corentin Tirard aussi, les frais et pour une très longue durée. Ouais, Coco qui avait été arrêté 6 mois hein, je crois six à peu mois, près, ouais, exactement. Avec opération, lui il a fait la totale. J'espère pas en arriver là parce que quand on est loin des terrains, c'est des périodes toujours très très compliquées. Hein. Franchement, mentalement, c'est pas facile, mais bon, faut pas lâcher. Et si vous demandez où est Corentin Tirard aujourd'hui, il est actuellement suspendu suite à son carton rouge reçu à Toulon. C'était chaud, hein, voilà, à Toulon, ouais. Avec une grosse ambiance et. Dommage. Ouais, une grosse Toulon, pression. C'est ça. Surtout en fin de match, quand ils ont vu qu'on était en train de tenir le score, que ça allait être difficile pour eux, ça s'est un petit peu échauffé. Les images, je pense, ont été parlantes dans le QDF. Et malheureusement, y a Mandiaï qui a pris rouge, il y a Coco qui a pris rouge. Un peu tristement, parce que bon, on le voit sur les images. En soi, nous, on a respecté ce qu'on avait à respecter, justement. On est resté plutôt clean, mais c'est vrai que pour les arbitres, c'est des matchs toujours difficiles à arbitrer. Et derrière, ils ont été sanctionnés. Et donc, Coco est suspendu. Je sais combien il a pris de match. Alors, 4, il a pris 7 matchs. Non, je crois que ça a été revu. Sûrement 5. Alors, dans ce cas-là. Alors, je crois que c'est 5. Donc, c'était 7 ou 5. Mais en tout cas, ouais, il avait pris une grosse sanction. Ouais, malheureusement, parce que Coco. Attention. Ouais, attention, parce que c'est un ballon à négocier avec Diaby. Ben Nasr. On va revenir au jeu. Et Perra qui va orienter sur le côté droit. La présence de Dupont-Chel. Face à Tiekoro Keita, le centre de Dupont-Chel au premier poteau. Anthony Scaramodino et Tiekoro Keita deux fois. On a vu Maudier qui a bien anticipé parce que la passe de Ouas était un petit peu trop molle. Mais le placement de Maudier a permis qu'on ne prenne pas de but et qu'ils puissent de suite être sur leur attaquant. Donc c'est vraiment bien joué de sa part. Ouais, Tiekoro Keita avec Syriac Louvion. Ballon joué sur Abdoulaye Diaby hein, qu'on a souvent tendance à jouer en appui. Mais qui est très... polyvalent dans son jeu, Abdoulaye Diaby capable de prendre la profondeur et à la fois de garder des ballons d'au jeu. Allez, Lucas Franco dans la surface, la frappe de Lucas Franco, elle est déviée. Oh, magnifique. Oh, c'était sans compter sur l'arrêt. Magnifique de Modiba qui était parti sur son côté droit et qui est tout de suite revenu. Changement d'appui sur le côté gauche. Ah, ça, c'est vraiment très fort. C'est une superbe intervention, un super arrêt de la part de Modi qui nous sauve avec Lucas Franco qui est un habitué de ce type de petite percée là, qui est un joueur. Peut-être au début qui paye pas de mine mais qui est vraiment très 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 fort. Moi il m'avait impressionné quand j'avais joué avec lui. Et là il a bien failli ouvrir le score donc bravo à Modi qui nous laisse à 0-0. Proche de son 5e but de la saison, Lucas Franco qui va tirer le corner au premier poteau, la déviation d'Anthony Scaramodino. Balmi qui n'a plus de soutien et il a la bonne récupération d'Abdoulaye Diaby. Il y a un 3 contre 2 maintenant à venir avec Ilyes Shaibi à sa droite et Issiaka Bamba à sa gauche. Il va décaler Ilyes Shaibi. Ballon un peu trop profond, le centre d'Ilyes Shaibi. Ouais, il a bien été redressé ce centre, mais c'est dans les bras d'Éric Moreau. Malheureusement, l'état du terrain n'inquiète pas ce type de contre-attaque. On les a travaillés cette semaine. Abdou avait bien gardé la vitesse, bien gardé le ballon. Il a décalé peut-être un poil trop, mais bon, on a apporté du danger et on peut se montrer aussi dangereux sur ce genre de situation. Donc, c'est bien joué. Et on parlait d'ailier percutant avec la présence d'Issiaka Bamba aussi. Qui avait fait cette course, une course plus de 50 mètres. Hein, et on est toujours frustré de ne pas recevoir le ballon quand on a fait une telle course. Mais il faut remettre toute son énergie sur l'aspect défensif car Alès a le ballon. Et Alès est dangereux dans ce début de rencontre. On l'a vu à l'image de cette frappe de Lucas Franco. Et le très bon arrêt de Modiba. À mettre en valeur Modiba.
Ouais, ouais, Maudit qui est de base deuxième gardien et qui remplace à merveille Melvin depuis son malheureux, sa malheureuse blessure, on va dire, et qui fait des très bons matchs et encore une fois là qui fait un très bon début aujourd'hui. Et Théo Pérard, Duponchel et la bonne intervention de Tiekoro Keita, indispensable sur ce poste de latéral gauche. Et c'est Diaby qui a tenté de se retourner, mais la bonne présence d'Anthony Scaramuzzino. On parlait de Tiekoro Keita, hein, qui a joué tous les matchs du tonneau Evian Grand-Genève cette saison. Attention, c'est joué à deux. Ouais, ça va être le centre de Duponchel en une touche. Ça va être au deuxième poteau. La reprise tout de suite, c'était Pierrick Cro à la retombée. Ils arrivent à se créer quelques situations aussi sur ces coups de pied arrêtés, ces corners depuis le début. Il les joue des fois à deux, des fois direct. Donc il faudra être attentif à ça. Oui, il est Safiani. L'objectif, ça va être de fixer hein, ce bloc alésien. Anthony Scaramuzzino. Tiens, certains demandaient aussi où était Baptiste. Je vois Aurélie qui demande Val, Baptiste, il est où? Blessé également, malheureusement. Je pense qu'il va revenir même peut-être un petit peu avant moi. On s'entraîne ensemble, justement, d'ailleurs, en ce moment. On est en train de retoucher le ballon, donc Baptiste, lui, ça fait ses 3-4 semaines d'arrêt. Donc forcément, il manque aussi à l'équipe, mais bon, on a la chance d'avoir du monde, ce qui fait qu'il y a toujours une équipe compétitive, et ça, c'est vraiment une chance. Ah, vous avez vu dans les QDF, il espérait faire son retour contre Jura Sud, mais ce n'était pas forcément le cas. Oh, c'est bien Allez, joué. Ballon pour Abdoulaye Diaby, au deuxième poteau, qui va temporiser, attendre du soutien, et la bonne intervention de Jérémy Balmy. Ah, c'est dommage, il y avait eu un bon apport de Tcheco sur le côté. Ilyes avait bien temporisé pour avant de donner le ballon. Et Tcheco a mis un bon ballon, mais bon, c'est dommage. D'ailleurs, là, on voit des attitudes positives. Tu vois Ilyes qui est revenu derrière, qui compense. C'est ces petites attitudes-là qui vont faire aussi qu'on va s'en sortir, qu'on va se sortir de cette situation compliquée. Et c'est appréciable quand tu vois ton attaquant qui revient, qui fait les efforts. C'est une bonne chose. Ouais, cet état d'esprit est récompensé. Hein. Sur les trois derniers matchs, le TUGG a encaissé seulement un but. C'était contre bon Toulon. Bon ballon, ça. Ouais, Abdoulaye Diaby qui peut se retourner. Baptiste Clericia, la frappe. Elle termine sur la barre. Elle était puissante, flottante. Et elle a apporté le danger sur la cage d'Éric Moreau. Tout était très bien fait. Le centre de Tcheco, si je ne me trompe pas, il est excellent. Abdou, il l'oriente très bien. Il donne un super ballon. Et même la frappe est belle. Hein. Elle est puissante. Elle est cadré, on va dire, puisqu'il tape la barre, mais malheureusement pas récompensé. Mais bon, c'est bien, on se montre dangereux. On te pose une question, Val, le meilleur match de ta saison pour le moment depuis que tu es au Tonon et viens en Genève? Alors on a Alès, mais on a aussi cette victoire à Toulon. Alès était sûrement plus grand car tu avais effectué tes premières minutes en National 2. Alès, bien sûr, vu que j'ai joué, que j'ai débuté, comme tu dis, je suis rentré pour la première fois en N2, ça reste un bon souvenir à la fois collectivement et à la fois individuellement. Mais Toulon, c'est sûr que même si j'étais blessé, c'est vraiment fort d'être allé gagner là-bas, surtout dans la période actuelle. Et après, il y a aussi Aubagne, où là, j'ai été titulaire en Coupe de France. On a vécu une très belle qualification devant nos supporters, devant du monde, avec un scénario en plus assez fou. Donc je dirais que Aubagne aussi fait partie des très bons souvenirs de cette saison, en tout cas également individuellement, quoi. Et ça va être un coup franc à venir pour le Tonon Evian Grand-Genève, et un début de match animé. Généralement, quand deux équipes jouent le maintien, on a tendance à se regarder, à avoir une phase d'observation, 15 minutes, et déjà pas mal de situations pour une équipe comme de l'autre. C'est vraiment ouvert. Tu as eu l'inverse il y a 15 jours, 3 semaines contre Andrézieux, où c'était un match grave fermé. Les deux équipes ne voulaient pas perdre. Là, c'est assez ouvert, et j'espère que ça va jouer en notre faveur. Allez, c'est Ilyes Chaibi qui va s'en occuper. Coup franc rentrant au deuxième poteau avec Issa Kabamba de l'épaule, et c'est Pierrick Cro qui sort ce ballon. Ce ballon va revenir avec Wiley Safiani. Il a mis au deuxième poteau. Tiekoro Keita. Là, faut pas prendre de risque, c'est bien fait. C'est appel d'Ilyes Chaibi, c'est bien fait. Bonne prise de balle derrière d'Ilyes Chaibi, mais le très bon retour de Tom Duponchel. Quelle diagonale de Tiekoro Keita. Le gelon était magnifique, le contrôle aussi et l'intervention aussi. Donc bien joué de toutes parts. Cyria Clouvion. Ilyes Chaibi en 1 contre 2, il va centrer du pied gauche, et la bonne intervention de Jérémy Afrat. Nathanel Dieng, Wassim Mamadi, ce ballon pied gauche mis à Ilyes Chaibi. Allez, là il y a un contre 1, il peut
fixer ces deux équipes. Prise à deux, ça a été bien fait. Allez, Tikro Keita, une fois, deux fois, oui, il est passé, Tikro Keita, il va continuer sa course, le centre pour Ilyes Shaibi. Oh, ce ballon, encore une fois, très bon donné par Tikro Keita. Ah ouais, quel travail là, Tikro, incroyable sur le côté, qui a éliminé deux joueurs grâce au départ à une super prise de balle. Et qui essaye de mettre un bon ballon, il y avait du monde dans la surface, donc pas si facile de finir, mais en tout cas, on a été encore dangereux. Et c'est bien là, on est en train de bien rentrer dans ce match après 5-10 minutes un peu plus compliquées. On est pas mal là, faut continuer. Bataille sur le terrain, mais aussi bataille dans les tribunes entre Alessien et Tabané. Alors on va essayer de mesurer au niveau de nos oreilles le bruit fait par ces deux camps. Ça fait plaisir qu'il y ait du monde au stade, qu'il y ait de l'animation des deux côtés. Ça c'est cool pour quand on joue, c'est toujours un petit plus. Allez, Wassim Mamadi sur le côté droit. Avec Wael et Safiani. On va repasser par Nathaniel Dieng qui est pressé par Gianni. Et la bonne intervention de Djabou. Il faut aller ailleurs. Ouais, et pour le moment, on tient le ballon hein, du côté du TUGG. On a pris 5 minutes pour rentrer un petit peu dans la rencontre. Là, on est vraiment dans le camp alessien pour mettre la pression. Allez, Franco. Sous la pression tout de suite et d'Abdoulaye Diaby, on est très bon dans les transitions. C'est très bien. Même s'il y a faute, c'est bien fait. Au moins, ça casse le jeu. Elle est peut-être pas volontaire, mais au final, on peut se replacer tranquillement. Et c'est très bien. On le rappelle, hein, formation de Hakim Malek, qui donc est la 13e défense de la poule avec 30 buts encaissés, dont 26 encaissés quand Eric Moreau était dans les cages. Mais ce n'est pas pour dévaloriser Eric Moreau, hein, qui est un très bon gardien. Ouais, qui l'a montré à multiples reprises dans cette rencontre. De toute façon, que ce soit une équipe qui ne prend pas de but ou une équipe qui marque beaucoup, ça ne se résume pas qu'à l'attaquant ou qu'au défenseur. C'est un ensemble, hein, toujours le gardien et ensuite le dernier rempart. Mais bon, ça se résume pas aussi simplement, c'est évident. Et Mathis Lericia, et il y aura l'apport de Wassim Mamadi qui va rentrer à l'intérieur sur sa prise de balle. Et va changer sur Abdoulaye Diaby. Allez, Abdoulaye Diaby, gardez la vitesse. Il sera face à Gianni. Le centre, non. On nous a feinté Abdoulaye Diaby deux fois. C'est bien fait. Au deuxième poteau, il y aura la présence de Mathis Lericia de la tête. Bonne intervention d'Eric Moreau. Bon travail d'Abdou au départ. Qui envoie un centre peut-être un peu trop profond, mais quand même bien joué au deuxième poteau. Et Mathis la remet pas assez bien. Mais bon, on est encore là où il faut, dans les bonnes zones. Et c'est positif. Il faut s'appuyer aussi sur le fait qu'Alès n'a plus gagné à l'extérieur depuis le 7 octobre, c'était contre hier, et une victoire 2 buts à 1. Alors pas n'importe quelle victoire hein, contre hier, quand on c'est connaît les enjeux qu'il y a à hier. Scara toujours impressionnant dans les duels aériens aussi, qui les gagne souvent. Gianni, avec Duponchel, on va temporiser, car il y a beaucoup de transitions dans ce début de rencontre, beaucoup de ça doit intensité. Être intense à jouer là. Balmi, Gianni, allez Djabou sur le côté gauche, Djabou la frappe et la bonne intervention de Wassim Mamadi. Ouais, c'est bien sorti vite sur le porteur, Djabou qui a aussi une bonne patte gauche. Et là par contre c'est une intervention manquée de Wael et Safiani et un beau coup franc à venir pour la formation alésienne. Et là Val, quand on domine comme ça, un coup franc dangereux pour Alès, c'est toujours compliqué à avoir. C'est clair, faut bien les gérer. Ben là, pour le moment, on est bien dans le match. On a les plus grosses situations, en tout cas depuis 10-15 minutes. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui marquent sur coup de pied arrêté. Hein, donc, être bien vigilant. Et ça va être un coup franc pour un droitier. C'est Lucas Franco qui va s'en occuper. Il y a aussi Théo Pérard. De quoi mettre le danger sur la cage de Modiba. Trois joueurs avec qui j'étais, du coup, que je parlais au début. Au début du match, trois bonnes pattes. Donc attention, je ne sais pas s'ils vont le tirer direct ou pas. Ouais, Théo Pérard, tu l'as évoqué donc, comme les joueurs qui ont joué avec toi, Val. Donc c'est son 15e match de la saison qui est formé à Montpellier. Peux-tu nous en dire plus aussi sur ce joueur À Montpellier, t'es sûr? C'est pas de Nîmes? J'ai un peu je sais qu'il a terminé à Nîmes, en tout cas moi, mais c'est pas impossible ce que tu dis. Je sais qu'il était à Nîmes juste avant d'aller à Alès. C'est un joueur à peine plus âgé que moi, qui est né en 96, qui est un joueur agressif, complet, qui souvent va bien t'équilibrer, tu vois, un milieu de terrain, parce qu'il est sur beaucoup de ballons.
et en même temps qu'on voit là capable de prendre des coups de pied arrêtés, qui a une bonne patte droite, donc il faut s'en méfier. Ouais, 22e minute, Théo Perard va s'en occuper, ça sera voilà. Par le mur du TUGG. Il a voulu me faire mentir et ça nous arrange. Et voici Mamadi sous la pression de Gianni. Et autant pour moi, Valin, j'avais bien mis sur mes notes formé à Nîmes. C'est ouais, juste Nîmes, un problème de lecture. Qui est, le rouge est trop agressif. Oui, je sais sur qu'il mes a, yeux. Bah, il a même été avec le groupe pro pendant une ou deux saisons. Avant, malheureusement pour lui, de ne pas avoir fait la bascule. Et ensuite, il était allé à l'OAC. Et il y joue maintenant depuis plusieurs saisons. En ayant fait justement la transition National 3 à National 2. Et en étant toujours un titulaire qui, sur lequel le club s'appuie beaucoup. Et c'est mérité parce que c'est un très bon joueur, comme je disais, qui a un bon état d'esprit, qui lâche rien et qui est précieux souvent pour une équipe. Et pendant son petit temps d'arrêt, on va aussi en profiter pour vous évoquer les rencontres de 18h, car c'est en cours. Et Grasse qui mène 2-0 face à Toulon. Grosse victoire pour le moment de Grasse qui se dessine face à Toulon, concurrent direct pour la montée. C'est à Toulon, t'as dit ? Ouais, c'est à Grasse, pardon. Ah, c'est à Grasse. Je me suis dit à Toulon encore, ça aurait été rare pour le dire. Vous avez été la seule équipe à battre Toulon cette saison à domicile. Ah ouais, ce que nous disait le coach Brian, c'est que ça faisait un an qu'ils n'avaient pas. Ah, dommage. On a coupé la voix sur Abdoulaye Diaby qui a failli en profiter de ce ballon manqué. Ouais, Abdou qui a été pas mal trouvé depuis le début de la rencontre, qui a été dangereux à plusieurs reprises, qui a failli l'être encore là. Mais il va falloir être très attentif pour les défenseurs d'Alès, à l'image de son but. Contre Toulon, qui est capable de prendre tous les ballons, Abdoulaye Diaby. Exact, ouais. Et une erreur et ça fait mouche, et ça sera un corner. Ça. Et pourquoi pas sur ce corner à venir, 23e minute de jeu. Et ça va être un corner qui sera tiré par Elias Chaibi et son numéro 9. Et pour le moment, ça n'a pas bougé sur les rencontres. Si l'ouverture du score de Cannes face à Toulouse et un carton rouge à Andrézieux. Jura Sud met la pression directement sur Andrézieux. Une équipe très qualitative, cette équipe de Jura Sud. Allez, Elias Chaibi, la tête de Wassim Mamadi. Ou Nathanaël Dieng qui a tenté de son pied droit. J'ai cru que ça pouvait de relever ce ballon. Redresser ce ballon plutôt. Ah, c'était bien frappé une nouvelle fois. On a touché le ballon en premier. Et la bonne intervention de Mathis Lirissa face à deux joueurs alessiens. Wassim Mamadi. On est bien dans ce match, on est dangereux. Là, faut apporter un bon centre, même s'il n'y a pas grand monde. Allez, Elias Chaibi qui feinte à 2-3 reprises et le centre, et ça sera un corner. Nouvel corner pour le TUGG. Ah, il faut essayer de profiter de ce temps fort, pas le laisser passer quand on est bien. Si on peut arriver à ouvrir le score, ça serait une bonne chose. Allez, c'est joué vite avec Wayne Safiani dans la surface. Et ça sera un nouveau corner. Troisième corner. À droite et à la gauche de la cage d'Éric Moreau. C'est une nouvelle fois sortant, ça sera tiré par Elias Chaibi. Allez, c'est parti. Et ça sera au deuxième poteau. Nathanaël Dieng de la tête. Cyriac Louvion finalement qui redresse. Et la bonne sortie, nouvelle fois d'Éric Moreau. Qui relance vite là. Faut vite se replacer. Ah, mais il y a du monde sous le ballon et au très bon retour notamment de Mathis Lericia. Ouais, qui fait les efforts, tout le monde revient. Mais on voit une équipe d'Alès qui ne se projette pas forcément très vite, hein, Val, dans les transitions. Après là, il était assez esselé. J'ai du mal à savoir un peu s'ils veulent nous attendre, s'ils veulent jouer, enfin, s'ils veulent avoir la possession. C'est pas clair pour le moment. En tout cas, ils veulent bénéficier de tous les bons coups à jouer face à cette formation toulonnaise, notamment des coups francs, des corners. Et ce corner qui ne pourra pas être obtenu par... Enfa Mara Diaby, on l'a dit, hein, il est percutant. Un duel de Diaby aussi ce soir. Encore, hein. Il y en a beaucoup. Encore, oui. Ouais. Dans les différentes équipes, Abdou qui voulait être le seul, mais... Malheureusement, en tout cas, il est le seul à cette équipe d'Alès qui avait marqué... c'était le meilleur buteur pardon, de cette formation alésienne avant son départ. Avec 6 réalisations, Abdoulaye Diaby. Allez, Balmy avec Perard. Allez, ballon pour Franco. Il faut faire attention quand Franco a le ballon comme ça. C'est toujours bien se projeter, il est intéressant. Bon, là, le ballon est perdu, mais c'est un joueur vraiment à surveiller. On voit que ça bouge beaucoup sur le front de l'attaque, hein, Val.
Mathis Lyricien une fois à gauche, à droite, Ilyes Chaibi dans le cœur du jeu. Enfin, ça, c'est une équipe qui, une attaque surtout qui tourne beaucoup pour poser des réels problèmes à Alès. Ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, on sait que avec les différents profils, Mathis peut jouer à droite comme à gauche. Pareil pour Issiaka. Ilyes et Abdou peuvent inverser. Donc, c'est logique qu'il y ait du mouvement. Et c'est une bonne chose parce que quand on défend, c'est vrai que quand les gars dézonnent, etc., c'est toujours compliqué pour un défenseur. Donc, j'espère que ça va nous servir. Allez, Anthony Scaramodino qui va effectuer le coup franc. Une rencontre animée, tant dans les tribunes que sur le terrain. Ah, pour le moment, c'est plaisant. Il y a eu Alès qui ont réussi à faire 5-10 minutes très intéressantes. Mais ensuite, depuis ce moment-là, on est vraiment bien dans le match et on aurait pu ouvrir le score à plusieurs occasions. Ouais, tout ça pour votre plus grand bonheur, chers téléspectateurs. Allez, ballon mis dans la surface. C'était le dos de Mathis Lyricien qui a contré ce ballon. Ben Nasr, tout de suite un ballon rendu au TUGG, ça c'est une bonne chose. Très vite, très bon dans les transitions, cette équipe, cette formation de Brian Bergugno. Ouais, ouais, on récupère vite le ballon, on est assez haut directement, donc c'est bien. Et là, on peut calmer un petit peu, mettre un petit temps de possession. Il faut savoir le faire de temps en temps, parce que là, c'est vrai que c'est un début de match quand même assez éprouvant, je pense, physiquement, puisque ça va très vite. Allez, Anthony Scaramodino avec Modiba. Ah, une question pour toi, Evan. Ouais, Evan, quel est ton... Vas-y, pose-la moi, avec plaisir. Ah, le pseudo n'est pas clair. Bon, on va l'appeler Hugo, on va schématiser. Qui nous dit, Evan, quel est ton statut au club? Est-ce que tu es commentateur de manière bénévole? Tu es dirigeant? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous alors, tout, Evan. Alors, je suis à la fois les deux. Alors, commentateur bénévole pour le club depuis 2 ans maintenant. J'avais effectué mon premier match. C'était le 27 août 2022 contre hier, un adversaire de la poule. Notamment, j'avais commenté Johan Molo. Je ne sais pas si ça te parle, Val. Bien sûr, bien sûr. Ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Et je suis aussi dirigeant au club en étant coach des U11 et des U15. Et également commentateur de QDF. Exactement. Cette année, tu nous régales sur les épisodes. Et je te remercie encore parce que... C'est une grande opportunité qui m'est arrivée cette année aussi, grâce à toi, Val, notamment. Ça me fait plaisir et je trouve que ça a vraiment rajouté quelque chose de plus sur les épisodes. Il y a des bons retours. D'ailleurs, je pense qu'il y en a qui regardent le match, qui doivent forcément regarder les QDF. Donc... je pense que tout le monde apprécie et ça permet, entre ça et les micros aux coachs, etc., d'avoir des matchs de plus en plus vivants et de proposer une expérience un petit peu différente de ce qu'on peut avoir en live également. Et en immersion au TUGG via les QDF, pour votre plus grand plaisir, chers téléspectateurs. Allez, Gianni, dos au jeu. Il y aura la bonne intervention de Mathis Lyricia, Nathanel Dieng. Voici Mamadi. Nat qui est toujours très très propre dans ses relances, qui perd 0 ballon. Ouais, 100% de passes réussies pour le moment pour Nathanel Dieng, malgré un terrain qui peut être compliqué par moment. Qui n'est pas évident. Mais déjà, c'est ce que je dis souvent, quand le terrain n'est pas très beau visuellement de loin, c'est que c'est pire de près. Et ouais, malheureusement, ça fait un petit peu défaut. Mais bon, c'est pour les deux équipes et il faut qu'on s'adapte. Même si c'est vrai que c'est quand même pénalisant dans le sens où Brian aime une équipe joueuse. On a des joueurs de ballon et bah ça n'aide pas forcément à produire ce jeu-là. Mais bon, on doit s'adapter. C'est le cas dans beaucoup de clubs, malheureusement, du championnat. Je prends note de vos commentaires. Alésiens, je vais le dire maintenant, pas Alésiens. C'est vrai que ça me semblait logique Alésiens, mais c'est bien Alésiens. Merci pour ce commentaire et cette aide apportée. À la tête d'Anthony Scaramodino. Ouais, mais toute l'expérience et la qualité technique de Cyril Couvion qui permet de garder un ballon important et une attaque qui le sera tout autant. Allez, il est Chaibi face à deux joueurs qui perd ce ballon. Gianni face à Wailé Safiani. Il n'est pas battu Wailé Safiani et au contraire il a récupéré le ballon même. Défendu. Énorme activité, énorme abattage Wailé Safiani qui est capable de jouer aussi bien latéral droit que numéro 6 devant la défense. Ouais, très complet Wail qui est toujours un peu dans le profil. Ouh là là. Et c'est peut-être un deuxième jaune. C'est rouge, c'est rouge. Ouais, c'est carton rouge pour Jérémy Balmy. Et ça va être un facteur à prendre en compte. Cette infériorité numérique alésienne. Ah, pour le coup, il lui a pas laissé le choix. Hein. Je pense, peut-être le premier jaune, je me souviens plus très bien. Il est peut-être un peu dur le premier parce qu'il est tôt dans la rencontre. Mais là, pour le coup, ça se siffle. Hein. Enfin... Ah oui, carrément. Hein. C'est une cheville qui est très forte mise sur la... Enfin, le pied très fort, pardon, mis sur la cheville de Wailé Safiani. Ah, il est en retard. Et elle est décollée, en plus, cette cheville.
Bah, je pense qu'il y met pas rouge direct en plus, il y met le deuxième jaune, je crois. Alors, j'ai vu un carton rouge direct pour Jérémy Balmy. Ça serait peut-être un petit peu dur, mais en tout cas, le deuxième jaune, il serait logique. On va voir comment il se réadapte. Alors, ça a souvent été de l'autre côté, ces décisions où il y a eu des cartons rouges, hein, du côté du TUGG, avec notamment ce match contre Fréjus à domicile. Ouais, on a pris beaucoup de rouges. Ce match saison. À Toulon aussi, ce match contre Toulon à la maison, où André, il y a cette victoire 3. Très récemment. Et c'est vrai que ça change un match quand tu es à 10, bah, automatiquement. C'est beaucoup plus difficile, tu dois revoir tout ce que tu as travaillé la semaine et t'adapter. Donc bon, tant mieux pour une fois que ce ne soit pas de notre côté, parce que comme tu dis, on l'a beaucoup vécu cette saison. Et tu l'as dit, carton rouge contre Andrézieux. Olivier Le Sueur donc, qui est absent de chez Charnière Centrale depuis c'est ce match. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a vraiment la chance d'avoir un effectif très large, ce qui fait que, t'imagines, là, il te manque du monde, hein. T'as pas Olive, t'as pas Baptiste, t'as pas... Ah putain, t'as tes petites notes ouais, j'ai les absences, ouais. Olivier Le Sueur, Coco, Cyril, c'est vrai, Piche. Johan Martela aussi, qui vous n'avez pas forcément vu, enfin, que vous avez vu dans les QDF de Val, mais sur le terrain à Vongy, pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité pour le numéro 29. Je vais vous spoiler son numéro, Johan Martela. Et malgré tous ces absents, du coup, on a quand même une équipe très compétitive, et ça, c'est un luxe. Allez, Ilyes Chaibi, tireur attitré, la tête de Wassim Hamadi. Et bon dégagement de Ben Nasr. On arrive, on est toujours les premiers sur les ballons, on les touche, mais ça paye pas pour le moment. Issaka Bamba, souvent en réussite dans ses dribbles depuis un certain temps. Le centre, et il y aura la présence de Wassim Hamadi au deuxième poteau, avec Ilyes Chaibi dans la surface, la frappe et la bonne intervention. Il y a du monde, il y a un mur blanc derrière. Hein. Il y a tout le monde qui est. Ils n'ont plus un joueur devant. Et ils tiennent pour le moment. Mais il faut continuer à mettre cette pression et ça va payer. Allez, Tiekoro Keita, ballon dans la surface. L'arrivée de Matisse Lericia, ouais, sûrement avec un peu trop d'intensité. À juger Monsieur Lepay, cette arrivée rapide de Matisse Lericia, qui a bousculé de l'épaule Pierrick Croix. Matisse qui est bien dans son match, hein, qui gagne beaucoup de duels, qui a une belle activité depuis le début, Matisse. Donc c'est bien, vaut mieux être un petit peu en retard, mais ça montre qu'on a le bon état d'esprit, comme on disait tout à l'heure. C'est bien un deuxième carton jaune, Val, hein, à la 27e minute pour Jérémy Balmy. Elle est à 31e, donc Alès va devoir faire à 10 maintenant cette rencontre. On a Samuel qui nous dit c'est le meilleur début de match. C'est vrai que là, c'est un très bon début de match pour nous. On met souvent un petit peu de temps à rentrer dans nos matchs et là aujourd'hui on y est bien. Souvent tendance à se faire ouvrir le score avant de réagir. Là, pour le moment, c'est une entame de match, très réussie pour les hommes de Brian Bergouniou. Il va falloir maintenant valoriser tout cela avec un but notamment, ce que le TEGG n'arrive pour le moment pas à réaliser au bout de la 34e minute de jeu. Ben Nasr, Pérard. Mais ce qui nous rassure, c'est une charnière centrale qui est sur les ballons, à l'image d'Antonis Caramozzino. Bonne c'est lecture clair. De trajectoire, de passe. On a la chance d'avoir, on parlait de beaucoup de joueurs, mais notamment à ce poste-là de défenseur central, vraiment de la qualité avec Scara, Olive qui est suspendu, Kev qui est sur le banc, bah, Nat qui a fait son arrivée, mais il y a beaucoup de monde et que des joueurs qui ont des sacrées carrières et qui nous aident beaucoup. Qui a été mis à l'honneur, Antonis Caramozzino, en donnant le coup d'envoi fictif de la rencontre Nice-Clermont. C'était un 0-0, pas forcément, forcément très beau à voir. J'ai regardé 0-0. Le match, celui d'aujourd'hui est plus plaisant que ce Nice-Clermont. Et là, Scara qui va prendre sa petite biscotte. Ouais, carton jaune, il a ceinturé le numéro 8 Franco. C'est pas forcément une faute bête, dans le sens où s'il le ceinture pas, il n'y avait plus grand monde. Donc c'est bien défendu, un peu à l'expérience. Faudra faire attention quand même parce que l'arbitre a déjà sorti un rouge et faire attention que Scara prenne pas un deuxième jaune, mais c'est bien fait. Vaut mieux ça que le joueur parte au but parce que derrière il n'y avait que Nathanaël, donc c'est l'expérience de Scara qui parle quand. Pour ceux qui demandent qui n'étaient pas arrivés depuis le début, je commande tout simplement parce que je suis blessé. Et donc on s'est dit avec Evan que pour vous régaler ça pouvait être cool que je sois là. En plus l'OAC, vu que c'est mon ancien club, le contexte est cool. Et voilà, j'ai la chance d'être accompagné par Evan qui me drive, qui nous régale. Ah, et la tête d'Antonis Caramozzino. Ouais, Ben Nasr, là ce match a monté en intensité, a monté en contact et a monté en faute. Et c'était
depuis 5 minutes un peu plus haché. À l'image de cette faute de Wiley Safiani sur Ben Nasr. Tous les duels vont être importants à gagner. Ah, je reçois des messages. Patrick, un de nos monteurs vidéo qui est devant le live, comme beaucoup de monde, qui me dit j'ai le cœur qui bat à fond. C'est vrai que le suspense là avec le scénario et tout, il est forcément important. Et on sait que ce match est crucial. Derrière votre télé, avec nos, peut-être le petit apéro hein, du samedi soir, c'est le week-end. Et on va profiter de cet arrêt pour les rencontres de 18h, on l'a dit. Cannes qui a doublé la mise face à Toulouse. Et Andrézieux, malgré son carton rouge reçu à la 17e minute, a ouvert le score par l'intermédiaire du numéro 28, Brunetton. Latéral très offensif d'Andrézieux. Attention, je pense que c'est Yann. Du coup, c'est Yann hein, qui le tire. Yann Djabou, latéral gauche. Bonne patte gauche. Yann Djabou, le capitaine, la frappe. Elle est contrée par Anthony Scaramodino, mais Modiba, tranquillement dans les gants. Ouais. Tu vois le pressing de Théo Pérard là qui réagit tout de suite, qui oblige Tcheco à allonger. Allez, rencontre à gagner hein, pour le TGG ce soir. On joue la 37e minute de jeu. Sachant qu'il y aura aussi ce déplacement à Fréjus la semaine suivante. Allez, un ballon dans la profondeur. Ouais, là, t'as pas Franco. Une série de matchs assez impressionnante. On joue que des équipes classées derrière. Donc c'est vrai qu'elle est très importante pour nous. On se déplace à Fréjus, après on reçoit Chamalières. Chamalières, exactement. Chamalières, Bourgoin, Toulouse, on va enchaîner tous ces matchs-là. Donc ça va être capital. Trois candidats au maintien. Et quand le TGG a reçu ces équipes-là, le TGG est invaincu hein, pour le moment, hein, partout contre Fréjus et une victoire contre Toulouse. Ce qui envisage de très bons enjeux pour Chamalières notamment. Alors Val, on te demande le pronostic de ton match. Alors là, c'est la 38e minute de jeu. Difficile de dire. Bah là, honnêtement, on doit pouvoir aller faire un résultat. On est à 11 contre 10. Donc, en plus, vu qu'on fait une belle première mi-temps, on doit aller le gagner, même si ce ne sera pas facile. Parce que même réduit à 10, on voit qu'à l'Est, ils sont solidaires. Il y a du monde qui défend. On est dangereux, mais ils sont tous regroupés. Donc, difficile de donner un prono, mais on doit faire en sorte de le gagner. Allez, Wassim Mamadi. Il y aura la bonne protection du ballon d'Abdoulaye Diaby. Cyril Louvion. Avec Anthony Scaramodino. Tchekoro Keita. Allez, on a navigué très rapidement du côté droit au côté gauche avec Tchekoro Keita. Toujours hein, sa spéciale, Tchekoro Keita, ouais, rentrer à l'intérieur et trouver un joueur dans le cœur du jeu. Je l'ai souvent à l'entraînement, latéral droit, latéral gauche. J'aime pas quand il rentre à l'intérieur, même si je le connais à force, mais. Et c'est vrai qu'il fait toujours ce très bon crochet, assez chiant à défendre, on va dire. Ah, pour comparer un joueur de plus haut niveau, Lionel Messi, hein, à chaque fois, tout le monde sait qu'il va partir à gauche, mais il le fait, il est souvent pas repris, justement. Ouais, je voulais également comparer Tcheco à Messi depuis un moment. Hein, gaucher, tous les deux. En tout cas, on l'a dit, hein, titulaire indiscutable, Tcheco Keita, qui affrontera son équipe, son ancienne équipe, la semaine prochaine avec un déplacement à Fréjus. Ah, mais je crois qu'il est suspendu. Hein. Je crois que. Désolé, Van, désolé. Mais j'ai soucis, mes fiches, j'ai mes notes. Hein. Mais tant mieux, c'est cette plus-value que tu m'amènes. Non, il m'a dit ça tout à l'heure, on en parlait parce que je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, bon, hein, tu retrouves ton équipe la semaine pro. Il m'a dit, non, trois cartons jaunes, donc il ne sera pas du déplacement. Je vais revoir mes fiches alors. Allez, Nathanaël Dieng avec Anthony Scaramodino. Tcheco Keita. Et malgré une formation alésienne réduite à 10, pour le moment, les Blancs tiennent le coup face à des attaques tononaises. À l'image de ce ballon à la surface, joué par Abdoulaye Diaby, la frappe d'Issa Kabamba. Elle était tendue, mais une nouvelle fois, Eric Moreau qui s'interpose sur cette belle frappe d'Issa Kabamba. Frappe cadrée, c'est bien joué, il faut essayer de varier. On a vu qu'on a essayé de rentrer dans la surface, ça donnait rien, frappe un peu plus lointaine. Mais bonne prise de balle d'Eric. Bonne intervention d'Anthony Scaramodino. On lit vos messages, hein, toujours plus intéressants les uns que les autres. C'est quoi vos plats préférés, Val et Van ?
Evan, on t'écoute. Je suis un haut savoyard. Ok, t'es comme sur la raquette comme, ou de la, non, la fondue. Comme vous le savez maintenant, la fondue, exactement. Ouais. La fondue. Depuis peu, hein, j'aimais pas forcément ça avant. Eh ben, on a profondeur pour Diaby. Ouais, ça a failli être bien dangereux. Au lieu de parler de fondue. Ouais, au lieu de parler de fondue, il y avait ce ballon à jouer pour Enfarama Diaby. Et bon retour encore de Tcheco, prise à deux avec Modi qui est sorti haut sur l'attaquant et Tcheco qui arrive à la dégager de justesse. J'imagine que tout le monde veut savoir maintenant ton plat préféré, Val, parce que je pense que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Écoute, j'hésite, mais une petite pizza devant un match de foot, franchement le dimanche soir, ça se fait. Ah, le côté convivial aussi de ces pizzas devant oui, moi, c'était mon un classico classique, normalement. Avec mes parents, ma copine, les dimanches soirs devant un bon match. C'est sympa. Alors on va mettre les pizzas de côté parce qu'il y a un très bon corner à venir. Ah, c'était bien frappé, Alès. Il était tout seul. Heureusement qu'il rate sa tête. Ouais, mais là il y a la vitesse de Matisse Lyricia qui est repris irrégulièrement par Pierrick Croix. Et ça sera un carton jaune. En addition pour le numéro 24. On a vu depuis le début des coups francs, corner, des coups de pied arrêtés très bien tirés. Qui ne donnent pas au final de but, mais on voit que c'est des vraies opportunités. Allez, Nathanaël Dieng qui va devoir attendre le coup de sifflet de l'arbitre avant de remettre ce ballon en jeu. C'est ce qui est fait à l'instant. Allez, vous êtes 821 spectateurs pour être précis. Et on vous en remercie tous autant que vous êtes derrière votre écran, votre télé, votre smartphone, votre tablette. Ah, dommage, c'était bien sauvé par Issiaka, mais il n'a pas pu obtenir de corner ou de touche. Et qui a failli se blesser là. Issiaka Bamba qui a heurté les panneaux publicitaires autour du terrain. Il a bien réduit sa course, le numéro 15, et un coup franc joué vite par Cyril Coubion. Malheureusement, il y a peu de présence là dans la surface pour Tcheco Keita, mais on va trouver un centre à terre. C'est un super centre très intéressant. C'était, je pense, la solution de le mettre au sol. Dommage, comme tu dis, il manquait un peu de présence. Allez, Gianni, qui va fixer Anthony Scaramodino, mais ils sont à chaque fois très peu. Hein, Alès, les Alésiens, pour se projeter et amener du danger sur la cage de Modiba. En tout cas, il faut attendre qu'il s'installe dans le camp tononnais avant de voir de la présence, mais sur ces phases de transition notamment. Je lis une petite question. Du coup, Val, tu fais une vidéo ou pas? Parce que là, on va voir le résultat. Bien sûr, comme d'habitude, QDF et comme d'habitude, le club diffuse toujours les matchs en live, mais c'est des expériences assez différentes. Hein. Là, vous pouvez regarder le match en hauteur, un peu comme un supporter, alors que sur QDF, on propose un inside avec les coachs, etc. Donc forcément, c'est différent. Et la tête de Nathanaël Dieng qui s'impose, Théo Pérard en une touche. Ce sera un 6 mètres pour Théo Modiba. Pavard. Allez Modiba, il nous reste une minute dans le temps réglementaire avant de voir apparaître le temps additionnel. Ouais, je pense qu'il va mettre une ou deux minutes avec l'expulsion quand même peut-être. Tcheco Keita. En tout cas, une première mi-temps, si on peut retenir un grand mot, c'est intensité. Car il y a eu beaucoup de courses, beaucoup d'énergie donnée. Ouais, première mi-temps intense, plutôt positif pour nous. Il y a quand même eu des occasions des deux côtés, mais je pense qu'on a été globalement bien mieux sur cette mi-temps. Maintenant, il va falloir, en plus à 11 contre 10, il va falloir que ça paye et il va rester 45 minutes. Ouais, c'est ça. Un bon centre et on aurait pu bien... jouer les troubles faits à la 45e minute par ce centre de Tcheco Keita. Ouais, Tcheco qui apporte beaucoup de ballons devant le but, beaucoup de bons centres, beaucoup de dangers sur ce côté gauche. Après, il y a toujours Eric qui veille côté alésien avec un Z. Il n'y a pas que moi qui ai corrigé. Voilà. En tout cas, Val, c'est la première fois que tu l'énonces. Allez, Ilyes Shaibi, ouais, quand il peut se retourner, il est dangereux. Ilyes Shaibi face au jeu. Ah, il faut du mouvement autour et avec la présence d'Issiaka Bamba. Allez, un contre un joué, il faut garder la vitesse. Issiaka Bamba, il est maintenant pris par le bon retour de Gianni et la bonne intervention de Duponchel. Ça sera un 6 mètres pour Eric Moreau. Mètres. J'allais dire terminé par un bon corner, mais non. J'ai cru qu'il avait sifflé à mi-temps, mais non. Il va rester... Alors pour l'instant, pas eu de temps additionnel évoqué par le speaker du stade de Vongy. On attend justement sa voix résonner dans le stade de Vongy pour justement vous le donner.
Allez, Eric Moreau, il faut de la présence à la tête pour les Tononais au premier et au deuxième ballon. Et la bonne présence de Cyril Clouvion. Et c'est Ilyas Chaibi au deuxième ballon. Le TGG peut maintenant peut-être la dernière. Dérouler une nouvelle attaque. Baptiste Clérissier à la frappe, il a éliminé un joueur. La bonne intervention d'Eric Moreau, ce ballon fini, va rester dans la surface. Fini. Et frappe contrée d'Ilyas Chaibi. Ah, Matisse qui est dangereux, hein, qui fait, comme je disais tout à l'heure, déjà une très bonne première mi-temps. On l'a retrouvé un peu dans la situation au match aller, où il était sur son côté, où il avait marqué un super but. Un but venu d'ailleurs au match aller. Ouais, était imprenable. Hein. Ouais, quand il est capable de prendre cette vitesse, notamment avec son explosivité, il est difficilement rattrapable. C'est clair, de la puissance, de la vitesse. Et le centre d'Ilyas Chaibi, la tête de Wassim Hamadi qui a plongé au premier poteau. Et ça sera la mi-temps qui est donnée par Monsieur Lepay, 0-0 entre le TGG et Alès. Bonne première mi-temps. Ouais, une mi-temps avec beaucoup d'intensité, Val. Oui, beaucoup d'intensité, très très positif pour nous. On a montré des belles choses. Sur tous les plans, en vrai, hein. Déjà dans l'état d'esprit, comme on disait depuis plusieurs semaines, c'était le cas. Et c'est de nouveau le cas ce soir. Et en plus, cette fois, dans le jeu. Donc souvent, quand les deux sont réunis, il y a des chances qu'il y ait un résultat au bout. Il va quand même falloir rester méfiant, même si cette équipe d'Alès est à 10. Mais c'est très encourageant. C'est l'équipe qui aura le plus d'énergie en deuxième période. On le rappelle, un carton rouge qui a été donné donc pour Jérémy Balmy. Et donc le TGG va aborder cette deuxième mi-temps avec encore plus d'intensité pour faire encore plus mal à cette formation alésienne. On vous retrouve d'ici une bonne quinzaine de minutes pour vous faire vivre la deuxième mi-temps de cette rencontre. A tout à l'heure. Et abonnez-vous.
Allez, les 22 acteurs sont de retour sur cette pelouse du stade de Vongy. On espère vivre. On espère vivre donc une deuxième période un peu plus animée en termes de buts, notamment. Ça a été animé en termes d'occasion. Il faudrait donc valoriser tout ça, toute cette première période pour le Thonon et Vingt-Grand Genève par un but ou plus même dans cette deuxième période. C'est ça. J'ai mes parents qui m'écrivent, qui regardent le match, qui sont là, qui me disent super, mais il faut concrétiser maintenant. Ils ont tout résumé. Ils ont tout résumé, il faut arriver à finir et à ouvrir ce score. Ils ont loué aussi tes qualités de consultant, peut-être ? Ils m'ont dit c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Mais ils m'ont dit pas aussi bien qu'Evan. Allez, c'est parti. Deuxième période donnée par Abdoulaye Diaby. Et tout de suite être prêt, être vigilant aux 5 premières minutes notamment. C'est sûrement le discours d'un coach aussi avant d'entamer une deuxième période. Hein. Ouais, c'est sûr. Les 5 premières minutes qui sont importantes. C'est des moments clés, les 5 premières quand on entame le match, les 5 premières aussi de la deuxième mi-temps. C'est des moments où il faut être solide, éviter d'encaisser des buts. Et à l'inverse, si on peut en marquer, pas s'en priver. Et pas se manquer de Wiley Safiani, mais tout de suite, Cyriac Louvion est sur le ballon. Ouais, c'est ça qui est important, c'est la réaction. Elle est Nfamara qui est en duel. Nfamara Diaby face à Wiley Safiani. Le crochet, il est passé. Il va rentrer dans la surface, ouais. Mais il est tout de suite coupé par la bonne défense de Wiley Safiani. Bon crochet sur Nat, mais Wail qui reprend très bien, qui a fait l'effort, hein, qui est venu couvrir Nathanael dans le dos. Ce qui permet que, voilà, c'est toujours difficile quand on est en un contre un comme ça, qu'on se rapproche de la surface. C'est difficile de défendre parce qu'il ne faut pas faire de fautes. Et c'est plus simple quand on a quelqu'un qui vient nous aider pour faire une prise à deux. Et voici Mamadi qui va s'appuyer justement sur Wail et Safiani. Allez, Scaramuzzino qui va trouver Ilyes Shaibi, mais la bonne intervention de Yafrat. Voilà, c'est un peu le même contexte que la première période en termes de jeu notamment. Des ballons qui sont vite débarrassés des pieds alésiens. Ah bah c'est ce qu'on disait, ils doivent pas vouloir prendre de risques, surtout qu'ils savent qu'ils sont un de moins. Donc je pense qu'ils vont moins se prendre la tête, ils vont, d'après moi, moins produire de jeu. On va voir si j'ai raison ou pas, mais ils risquent d'être un peu plus compacts, bloc bas, et essayer de contre-attaquer comme ça a été le cas sur leur première petite situation là dans cette deuxième mi-temps. Ouais, justement, bien les exploiter ces situations du côté alésien. Allez, le centre à venir maintenant de Tikoro Keita pour l'arrivée rapide de Wassim Amadi. Ah, c'est un bon ballon, il était dangereux dans la surface. Tikoro qui a une bonne qualité de centre comme on disait en première mi-temps. Et l'égalisation jurassienne à Andrézieux, un partout avec un but d'Abdou. Elouahab, c'était le central. Ça nous irait match nul, je pense. C'est peut-être ce qui nous arrangerait le plus. Oui, carrément. Carrément, car c'est deux adversaires qui sont devant nous. Et donc Cannes qui mène 3-0 face à Toulouse. Le naufrage toulousain à Cannes. Ah, Toulouse, c'est difficile. Hein. C'est la seule équipe réserve de ce championnat, composée que de jeunes. Bon, peut-être quelques contrats pro, mais globalement des très jeunes joueurs, et c'est vrai que ce championnat N2 il est forcément difficile pour des jeunes qui transitionnent du monde au monde senior, on va dire. Donc ils sont un peu à la traîne à la dernière place, mais ça reste une équipe qui a toujours de la qualité, hein, et qui finalement a accroché quelques clubs aussi, et on va d'ailleurs se déplacer contre eux. Normalement je serai revenu même là si tout va bien sur le synthétique juste à côté du stadium. Tu penses que c'est sur le synthé ? Alors j'ai mis une prédiction là-dessus. Alors je sais que la D3 féminine, maintenant, car il y a une D3 féminine qui s'est créée depuis cette saison, qui joue donc sur le synthétique. En 17 NAS, on jouait sur ce fameux synthétique juste derrière le stade. Et après, par contre, j'ai joué pas mal de fois à Toulouse avec Agde en National 3. On les avait joués sur une belle pelouse de leur centre de formation, une vraie galette. Donc si ça pouvait être le cas, je dirais pas non. Allez, dégagement d'Éric Moreau avec encore une fois la tête d'Anthony Scaramuzzino qui aimante les ballons, hein, depuis maintenant une bonne 45 minutes de jeu. Il gagne tous ses ballons, là, qui a une bonne lecture aussi, qui sait qu'il n'y a personne dans le dos, donc pas besoin de la dégager bêtement devant, il peut la laisser. Et derrière, ça nous permet de construire et de repartir comme il faut. Allez, il y a Shaibi qui dézone beaucoup justement, on en parlait de ces attaquants qui dézonent beaucoup dans cette attaque tononaise. Un ballon
long pour jouer Abdoulaye Diaby. Comme il les aime, Abdou, en plus. T'en parlais tout à l'heure à Toulon, c'est sur une situation un peu équivalente qu'il arrive à marquer. Il passe de Wiley Safiani. Exact, très bonne passe. Et il avait eu... Non, c'est... Oui, la même contre Aubagne, il me semble. Exactement, contre Aubagne. Ah, ces ballons qui traînent dans la surface. Ah, dans vos commentaires, Samuel nous dit « J'aime cette énergie que met le Tech ce soir ». C'est vrai, c'est vrai. C'est tant mieux si ça se retranscrit. Retranscrit. À l'image. C'est le cas depuis plusieurs semaines. L'énergie est très positive. Et là, en plus, il y a de la qualité dans le jeu. Mais attention. Et Franco. À cette attaque. Avec Diabou qui va retrouver Ben Nasr. Ah, ils seront 1 contre 2. Ben Nasr, il va sortir avec Diabou. Et ballon au deuxième poteau. La bonne vigilance de Tikoro Keita. Attention, il est très bien intervenu. Hein, Tikoro Keita, tant sur le plan défensif que sur le plan de la sortie de balle offensive. Ah, il a hésité, je pense, Tikoro, à la contrôler poitrine pour que Maudy puisse la prendre. Mais au final, il y a eu vite un pressing, donc heureusement, il s'en est bien sorti. C'est des ballons qui sont dangereux, hein, qui sont un peu bâtards, un peu traîtres. Et il s'en est très bien sorti au final. Allez, Modiba qui va allonger. On joue la 51e minute de jeu pour le moment, 0-0. Et je dis bien pour le moment, car il va y en avoir des occasions. On l'espère plus du côté tononais que alésien, forcément. Ouais, en plus on voit Brian a envoyé Rado, Johan et Pascal à l'échauffement. Trois joueurs plutôt offensifs. Alors quand tu dis Rado, Val, hein, c'est Jordan Radojevic, forcément. Mais je pense que via justement les QDF, les téléspectateurs sont au courant, en tout cas pour l'infime minorité. C'est bien Jordan Radojevic qui portera le numéro 8 s'il t'est amené à rentrer. C'est ça, il nous reste que Kevin qui est sur le banc pour le moment, le seul défenseur remplaçant ce soir. Et c'est vrai que ça, c'est les résultats où là, pour le coup, bah, j'en ai fait les frais parfois. Le jeu n'est pas de faire rentrer un défenseur latéral ou central. C'est pour ça qu'on a trois offensifs à l'échauffement. Notamment Pascal Leno, on est obligé de l'évoquer, on l'a évoqué aussi en avant-match. Une entrée qui pourrait bien être décisive aussi, Pascal Leno, car à l'aller, il avait fait une très belle entrée et notamment un lob de 35 magnifique, mètres. Ouais. Sur justement Eric Moreau. Il n'y en avait pas fallu beaucoup. On était rentré, je pense qu'on avait marqué vers la 86e minute. On rentre en même temps avec Pascal. Brian lui dit il t'en suffit d'une seule. Et Pascal avait donné raison à Brian avec ce super but. C'est l'attaquant de l'INA Montlhéry, notamment Pascal Leno en National 3, auteur d'un très beau parcours en Coupe de France. C'était contre Angers. Ouais, c'est et il avait marqué notamment Pascal Leno un doublé. Exact, spécialiste de la Coupe de France, Pascal, qui avait même affronté le PSG, hein, si je ne me trompe pas. Exactement. J'ai mes notes. Allez, Nathanaël Dieng. Où est Safiani ? Sous la pression de Ben Nasr, mais la pression de Nathanaël Dieng ne la subit pas vraiment. Hein, tant sa qualité technique il voit la pression, est importante. Ouais, pour la récup, c'est pas mal, une petite pression juste après le match. Ouais, Nat très serein dans le jeu. Qui est souvent capable de trouver des bonnes passes. Mais attention là, à Ben Nasr, cette contre-attaque, mais c'est bien défendu. Qui voulait se projeter à grandes enjambées. Mais c'était sans compter sur la présence d'Anthony Scaramozzino. Et voici Mamadi avec Cyria Clouvion en une touche. Diabou, Diaby. Il faut sortir ce ballon de cet espace où il y a beaucoup de joueurs. Et trouver notamment Elias Chabi potentiellement hein, qui est seul là-bas sur ce couloir gauche. Il va y avoir de l'espace. Attention à ça. Ascara, excellent. Bien placé. Qui est le premier au ballon et qui évite un potentiel danger. Allez, Cyria Clouvion. Avec Elias Chabi. Allez, il faut mettre du monde. Devant la cage d'Éric Moreau. Bah, il a Tcheko avec lui. Ouais, il y a Chaibi qui a pris de la vitesse défendu. Mais qui finalement perd ce ballon avec ce très bon retour. Et oui, et c'est ça qui fait les de différences, Duponchel. C'est excellent. Ouais, il y a Chaibi qui va décaler Tcheko Keita. Il va l'avoir. En une touche le centre et ce ballon c'est fuyant. Difficile, elle était profonde, c'est pas facile à rabattre. En tout cas, on a pu
voir la très belle qualité technique d'Ilyas Chaibi et sa qualité en 1 contre 1. Exact, ah bah, il est connu pour ça. Ilyas a une qualité technique au-dessus du niveau de ce championnat. Et là, en plus, très positif dans ce qu'il propose dans les contre-efforts et tout. Et donc, forcément, on le voit beaucoup. Et comme toi, il a joué aussi avec un joueur qui est un peu connu, hein, Kylian Mbappé, notamment. Oui, exact, oui, oui, Ilyas qui a fait de belles années à l'AS Monaco, jusqu'à même faire, peut-être pas des groupes, mais en tout cas avoir été dans le groupe d'entraînement professionnel. Et là, on a le super retour de Tcheco qui régale. Quel retour, encore une fois, de Tcheco Keita face à Gianni, qui pensait être seul, mais il a vu Tcheco Keita surgir de derrière. Pérard, Ben Nasr. On va rester au sol du côté de Franco qui se plaint de la cheville gauche et la frappe instantanée de Gianni. Et on a vu donc l'arrivée sortie d'échauffement de Joan Branger et de Jordan Radojevic. Il ne reste plus que Pascal Leno et Kevin Afogou qui a fait son apparition à l'échauffement. Exact, ouais. Sans doute deux changements à venir. Joan qui a une qualité technique capable de distribuer de bons ballons. Et c'est peut-être ce qui va pouvoir aider avec cette défense d'Alès qui est assez regroupée. Et Rado qui est, comment décrire Rado, très complet, bonne frappe, intelligence de jeu, donc ça peut être intéressant. Après, ce qui n'est pas facile, c'est que là, tout le monde est très bien dans son match, je trouve. Donc à voir ce que va proposer le coach. Et quand on parlait de projection, hein, Jordan Radojevic en est le symbole, hein, capable de mettre beaucoup de pression devant le but, notamment avec... ses percussions et son apport offensif. Exact, ouais. Quand Rado part comme ça... Et quand il est lancé, il est percute. Souvent inarrêtable. Ah, c'est un bon centre de Tcheco, ça. Mais toujours Eric Moreau qui garde très bien sa cage. Allez, Eric Moreau qui va faire sortir tout le monde. Eh oui, c'est sûr, là, Alès, forcément, comme on dit, à 10, prennent moins de risques, un jeu beaucoup plus direct. Mais pour le moment, on a plus de mal à se créer des opportunités qu'en première mi-temps. C'est peut-être les changements, du coup, qui vont apporter du dynamisme. Allez, changements. Les changements, donc, à venir avec Joan Branger, on l'a évoqué. Et donc, la sortie de Cyriaque Louvion, capitaine du soir, qui va donner... le brassard Anthony Scaramuzzino, auteur encore une fois d'une prestation très solide. Cyriaque Louvion, comme à Jura Sud la semaine passée. Ouais, très, très bon match. Très bon match et qui cède sa place. Alors ça, c'est un changement purement offensif. Hein, oui, c'est ça. Pour la patte que... gauche de Joan Branger. Diaby. Il y a du monde, ça sort très vite sur les porteurs et c'est bien fait. Allez, Franco qui va centrer de l'extérieur du pied, un centre fuyant dans la surface, ici à Kabamba. Ce que je te disais tout à l'heure, quand Franco il se projette, t'as vu, ça, c'est difficile. Hein. Allez, quand il passe l'épaule. Ouais. Allez, Yachébi qui continue sa longue course pour aller mettre la pression sur Eric Moreau. Qui va rendre ce ballon. C'était à la tête d'ici à Kabamba. Mais les Blancs continuent d'avoir le ballon. Ouais, bon pressing de Matisse qui déclenche, maintenant faut y être. Bien joué Was. Et aussi Mamadi qui pensait découper de la touche, mais finalement c'est un ballon alésien à venir avec une touche pour Djabou. Brian est calme, on ne l'entend pas, on nous dit dans les commentaires. Et c'est sans doute par l'ambiance, que ce soit de nos supporters les Tabanais et également les supporters alésiens. Donc là, comme on est loin, vous l'entendrez dans QDF. Et pour le moment, il n'a pas forcément grand-chose à dire dans le sens où le TUGG maîtrise plutôt bien cette rencontre. Il faut juste maintenant le dernier geste et c'est ça, je pense que là, c'est plus l'efficacité. Plus des offs qui vont avoir des discussions entre Brian et Greg, tactique, sur les changements, bah, notamment celui qu'ils viennent de faire. Qu'est-ce qui peut débloquer ce match? Et Djabou, et tu en parlais, donc va tes QDF. On peut rentrer en immersion sur le banc du TUGG. Ah, ça, c'est vrai que c'est une chance d'avoir ça. Allez, on va montrer à l'image donc les supporters alésiens et ouais, exact. On les félicite hein, qui ont bravé la route donc. 5 heures de route hein, depuis Alès. Ouais, pour pouvoir encourager leur équipe
Et c'est gratifiant d'avoir des supporters comme cela. C'est aussi eux qui permettent ce 0-0 pour le moment avec une infériorité numérique pour Alès. C'est là où on parle de 12e homme, hein, Val. Oui, oui, forcément. Bah, surtout le 11e pour le coup. Oui, ouais, c'est ça. À nos niveaux, les matchs sont souvent... voilà, c'est plus des spectateurs que des supporters. Donc dès qu'ils arrivent et qu'ils mettent un petit peu de bruit, ça donne une plus-value. Allez, sous vos yeux, c'est Franco qui va s'occuper de ce corner tiré au premier poteau. Ah, il a l'habitude de le tirer au premier poteau. Pardon, c'est Djabou en une touche. Franco, Djabou, le centre fuyant, la sortie de Modiba. Oh, il a bien failli avoir but pour Alès sur cette sortie manquée de Modiba en tout cas. Mais c'était vraiment un très très bon centre, une belle action là côté gauche pour les Alésiens. Yann Djabou qui met un bon ballon dangereux devant le but. Et ça, c'est des ballons où en fait, suffit de viser une zone, il le met fort et finalement, bah, Maudit, pour lui, c'est difficile de le négocier et ça a failli nous coûter cher. C'est facile de dire une sortie ratée quand on voit ce très 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 bon ballon donné par Djabou. C'est vraiment l'une des premières fois où on voit Djabou apporter ce décalage sur le côté gauche, amener des centres. C'est un joueur agressif mais qui aime bien aussi apporter avec son pied gauche des ballons devant le but. Là le match lui laisse pas beaucoup l'opportunité de faire ça. Mais faut s'en méfier également. Allez, Tikoro Keita qui va continuer sa course sur le côté gauche. Tikoro Keita, le centre. Yafrat. Allez, maintenant c'est Joanne Branger en deux touches. Elle était bien partie. C'est sa qualité corner aussi à Joanne, ça, les frappes. Allez, on a eu à l'opposé le bon apport de notre latéral gauche Tieko, qui a une nouvelle fois mis du danger. Et c'est revenu sur Joanne et maintenant on va regarder ce corner. Allez, Ilyes Chaibi, il va falloir surprendre cet adversaire alésien, peut-être sur ce corner. Ah, c'est frustrant, on est sur tous les premiers ballons, on les gagne à chaque coup de pied arrêté, mais pour le moment on n'arrive pas à trouver le cadre. C'est déjà positif, on voit qu'ils ont été sans doute travaillés. Je sais que cette semaine Greg avait mis ça en place, les coups de pied arrêtés, et on voit qu'on arrive à être dangereux sur ça. Maintenant va falloir essayer de trouver le cadre. Alors Val, je pense que c'est l'une aussi des questions que se posent tes abonnés, ceux qui te suivent. Quelle est du coup ta vie du coup en dehors du terrain? Alors en dehors du terrain du coup là en étant blessé, forcément quand on voit les coéquipiers qui s'entraînent, c'est toujours un peu frustrant. Ah, donc, c'est coup, sûr. Comment occupe ton temps Bah finalement mon temps est presque encore plus occupé que quand je joue. Tout simplement parce que là en ce moment je suis présent tous les matins pour travailler en musculation, parce que ça je peux le faire. Donc j'ai des séances individuelles à ce niveau-là. Et tous les après-midi, je fais mes soins avec notre kiné Christian. Et également, je retouche en ce moment le ballon. C'est un bon centre encore de Tieko, ça. Je retouche le ballon, mais individuellement ou avec d'autres joueurs blessés comme Baptiste. Donc ça fait de très très grosses journées, honnêtement. Tout ça dans le but de revenir le mieux possible et le plus rapidement possible. Et bien sûr, bah, automatiquement, la création des vidéos qui prend du temps en plus. Et au final, j'ai presque encore moins le temps avec cette blessure parce que je suis vraiment à m'occuper de ça en priorité. Et heureusement, j'ai mon équipe qui travaille très bien pour pouvoir proposer ces super épisodes. Je m'auto-complimente, ces super épisodes. Oui, c'est le cas au vu du nombre des commentaires que vous laissez sous les vidéos. Un dégagement d'Éric Moreau à venir. Et on a vu donc le staff d'Alès qui s'est précipité vers le délégué pour effectuer des changements. Donc des changements à venir pour Alès. Allez, Diaby. Ouais, qui a fait. C'est bien sur fait, ce ça. Crochet tombé Pierrick Croix. Issa Kabamba, la bonne prise de balle face à Djabou. Issa Kabamba toujours. Diaby dans la surface qui se retourne et qui frappe pied gauche. Soudaine, très bon enchaînement, mais bien contré. Côté alésien, c'était un bel enchaînement. Le contrôle n'était pas facile. Il y a eu un bon travail au départ d'Abdou, Issia qui a réussi à le retrouver. Et c'est dommage que ça aille pas au fond. Allez, ça sera un double changement pour la formation alésienne. Voici Mamadi avec Issia Kabamba. Où est Safiani? Et on va tourner le jeu pour arriver jusqu'au le côté gauche de Tikoro Keita qui est beaucoup fréquenté ces dernières minutes. Mathis Clericia qui va rentrer à l'intérieur. Mathis Clericia, la frappe où elle va s'envoler dans le ciel de Vongi, cette frappe, mais c'était une bonne initiative
Ouais, prise par. Il a dû avoir. Bah là, c'est malheureusement le terrain qui aide pas parce que forcément, elle a dû sauter juste avant, ce qui fait qu'elle est partie. Elle est partie vers Alès, hein, mais c'était, comme tu as dit, une bonne initiative. Elles sont pas faciles avec cet état du terrain. Allez, c'est la sortie du numéro 33, Gianni. Et l'entrée du numéro 21, donc Bahana. Wilfried Bahana Djaba, qui est une recrue en provenance de hier, donc adversaire de la poule, qui est arrivée cet été du club hierrois. Et on avait parlé de double changement pour Alès. On a la sortie du numéro 17, Enfamara Diaby, et l'entrée du numéro 27, Correa, la nouvelle recrue qui effectue son premier match à Alès. Alors on n'avait pas forcément beaucoup d'informations sur ce joueur. On a demandé aux supporters alésiens, eux-mêmes n'ont pas su nous répondre. Quant au numéro porté par Correa ce soir, bah c'est le numéro 27, on vous le confirme donc. Correa à suivre donc dans cette rencontre et son entrée. Tête d'Issiakabamba avec Perard. Anthony Scaramodino de la tête, une nouvelle fois. Là c'est fou parce que tu vois, quand tu vis le match à l'extérieur, en fait, t'as encore plus de pression que quand tu joues, parce que tu contrôles pas. Et bah là, le temps passe, et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à ouvrir ce score. Et c'est pas facile. Toujours envie de rentrer sur le terrain. Ouais, ouais, bien sûr, et surtout envie qu'on gagne, parce qu'on sait que c'est important. Et on a envie de voir ce but, ça, c'est bien joué, ça. Ouais, c'est bien joué, parce qu'il y a Joan Branger dans la surface. Frappe instantanée, Issiakabamba maintenant, du pied gauche. Et ça passe juste au-dessus de la barre d'Éric Moreau. Et il y avait une position de hors-jeu. Alors ça, quand l'arbitre siffle hors-jeu sur une action ratée, c'est toujours un petit peu rassurant. Ouais, on se dit ouais, y avait hors-jeu, mais c'est vrai que c'était une grosse situation. Et notamment cette frappe contrée de Joan Branger. Allez, c'est un double changement qui va arriver pour le TUGG avec Jordan Radojevic et Pascal Leno. Et la tête de Nathaniel Dieng. C'est pas forcément le plus grand Nathaniel Dieng, mais il a une très bonne détente et un très bon timing surtout. Ouais, un bon timing, mais surtout c'est un joueur intelligent. Donc même s'il est pas le plus grand, il a pas le plus gros gabarit de l'équipe, il compense par une intelligence au-dessus de la moyenne et donc ça fait qu'il se retrouve toujours à pouvoir gagner ses duels. Ouais, Tikoro Keita. Ouh, il a repassé. Oh là là. Il est repassé à gauche de son adversaire. Il nous régale. Ah, il nous régale sur ce côté gauche, Tikoro Keita. Il avait déjà fait à Toulon. Il a fait la spéciale. Un petit pont, je sais pas si tu te souviens. Oui, à Toulon. Oui, oui. Pour les plus puristes de cette petite semelle. Ouais, ouais. Et il était assez incroyable. Et là, il nous régale également. Il nous régale car la suite de son centre aboutit à un coup franc. Pour le TUGG, c'est Anthony Scaramodino. Alors, petite anecdote, Val. Oui. Il n'était pas forcément au club, mais cette victoire 2-0, c'était à Cabifournier, donc la saison passée. Et Anthony Scaramodino avait marqué un très joli coup franc. J'ai vu la vidéo sur le compte Instagram de Scara, donc je vois de quoi tu parles. C'est vrai qu'il avait mis un joli coup franc, il avait surpris, il était assez lointain. C'est pas impossible qu'il essaye de nouveau, mais bon, Éric Moreau doit être prévenu maintenant. Et il est prévenu. Et Anthony Scaramodino qui va mettre du coup son ballon dans la surface. Oh, il y avait Mathis Cléricia. Et c'est un pénalty. C'est un pénalty pour le TUGG. Faute dans la surface. Magnifique. Alors c'est Wassim Amadi, sûrement, qui a été accroché. Ouh, alors là, celle-là, elle est super importante. C'était super bien frappé de la part de Scara. Comme je dis, on voit qu'ils ont été travaillés à l'entraînement. Très très bien tiré. Il y avait du monde, mais ça, le retard s'explique peut-être par cette faute qui a été sifflée. En tout cas, on a été bon. Hein. On a été bon. Scara au coup franc, c'est souvent décisif, notamment contre Alès. Et ça l'est. Alors, pas directement, mais suite à ce très, très, très bon coup franc. On va voir qui prend le pénalty. On va obtenir un pénalty. Il y a Elias, il y a Scara, il y a des bons tireurs. C'est Elias Chaibi hein, qui semble être décidé à tirer. Il est prêt, Elias Chaibi. Il est déterminé surtout à prendre ce pénalty. Un pénalty qui pourrait être décisif. On en parlait hein, au début de ce match, les coups de pied arrêtés qui pouvaient être, justement, comme tu le dis, décisifs. Et là, ça a été superment bien frappé. Et on obtient ce pénalty, donc c'est une bonne chose maintenant. Il faut confirmer. Avec ce pénalty, on pourrait vaincre cette série de deux matchs sans marquer le moindre but. Ilyes Chaibi peut justement
contrer cette série par un penalty. Il avait marqué notamment sur penalty contre Aubagne lors de la victoire en Coupe de France au penalty, avec notamment à la fin un tir au but gagnant d'Olivier Le Sueur. Ah, exact, un très bon souvenir, on en parlait tout à l'heure de ce match. Alors pour ceux qui n'étaient pas là en première mi-temps, oui, c'est bien Val qui est aux commentaires avec moi ce soir, pour votre plus grand plaisir. J'espère en tout cas. Je sais pas trop ce qui se passe, ouais. Alors, on doit se justifier ouais, du côté de Monsieur Le Pay, quant au carton jaune aussi donné aux joueurs d'Alès. En tout cas, ça traîne, mais sur les autres pelouses, par contre, ça ne traîne pas, car il y a des buts, notamment à Andrézieux, avec Jura Sud qui prend l'avantage à la 62e minute de jeu. 2-1 pour Jura Sud. Et l'ouverture du score d'Aubagne contre Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, un adversaire très important à la montée. Et l'ouverture du score de Fréjus aussi contre hier. Et ça, c'est un adversaire donc qui est derrière nous. Donc c'est pas forcément. Cette victoire n'est pas forcément le bienvenu pour le TEGG, mais Ilyes Chaibi va concrétiser, on l'espère, ce pénalty pour être moins inquiet quant à l'ouverture du score de Fréjus. Les formations de Jura Sud, Val, que tu as joué avec Jura Dolois, si je ne me trompe pas, exact. Et qui nous a affronté la semaine passée. En amical, oui, club voisin, on les a joués, on les connaît bien. Et très belle formation. Oui, oui, très bonne équipe. Bah, à retrouver d'ailleurs, justement, c'est l'épisode qui sort ce mardi. C'est vrai qu'ils ont un coach très joueur qui propose toujours du bon jeu à toutes ses équipes. Allez, maintenant, on va se concentrer sur le pénalty à venir. Ilyes Chaibi contre Eric Moreau. Petit temps d'attente, petit temps de pression pour Ilyes Chaibi. 71e minute de jeu. Ilyes Chaibi face à Eric Moreau. Et c'est petit fil à gauche. Non, pression pour Ilyes Chaibi. Qui vient contrer cette série de matchs. Tu m'entendais sans but. Je parlais plus là depuis deux minutes. J'avais chaud. Mais il fait beaucoup de bien ce but. C'est très très bien tiré. Et ce but qui vient faire rugir cette tribune de Vongy. Tant ce but est important dans cette rencontre décisive au maintien. Il a marqué son sixième but de la saison. Ça débloque, ça va nous rassurer, ça va peut-être nous libérer un petit peu plus. Ça fait du bien aussi pour Ilyes qui avait par moment raté un pénalty dans la saison. Donc là, ça le rassure aussi. Il est superment bien frappé. Je suis content pour lui et j'espère qu'il va pouvoir enchaîner. Ouais, son et ses derniers buts en championnat dataient du 25 novembre contre Toulouse avec son triplé. Exact. Ce pénalty vient lui apporter toute la confiance nécessaire. Ouais, bon après c'est comme on en parlait tout à l'heure, un joueur techniquement très facile, donc qui peut à tout moment débloquer un match. Et là il le fait en étant décisif sur ce pénalty. On sait qu'il y a Scara qui pouvait également s'en charger. Mais c'est bien d'avoir plusieurs tireurs. Allez, Djabou face à Wassim Hamadi maintenant. Forcément, le maître mot, c'est tenir le score. Voire même plus l'augmenter, ce score. Scara qui est partout. Et maintenant, Alès va changer la mentalité. Hein, Val, on voit une équipe qui se projette un peu plus. Mettre vite la pression. Là, il faut peut-être la sortir. On a un joueur à terre. Mais je pense qu'ils ne vont pas le faire. Ah, c'est Bennas qui va mettre ce ballon en touche. Ouais. Très fair play sur le coup, ici à Kabamba, qui reste à terre. Quand tu perds 1-0, c'est pas la première chose que tu as envie de faire. Et c'est le mollet droit d'ici à Kabamba qui est touché. En tout cas, Val, on peut faire ouf dans cette rencontre. On a réussi à ouvrir le score, c'était sans doute le plus difficile. Oui, c'est clair, parce que même s'ils sont à 10, ils étaient capables d'avoir une équipe très compacte. On le voyait notamment en première mi-temps où ils étaient bien regroupés derrière. Et donc, même à 1 de plus, c'est pas si facile d'ouvrir le score. À l'image de ce qu'on peut voir des fois dans des matchs de Coupe de France où tu joues une équipe inférieure, mais quand ils sont bien regroupés, ça reste très très compliqué. Là, c'était le cas d'Alès. Et sauf qu'en plus, c'est pas une équipe de Coupe de France, c'est une belle équipe de N2. Donc, c'était pas facile. Et ce but, je pense, va nous libérer et fait beaucoup de bien. Ça, c'est une évidence. On parlait de ces fameuses 5 minutes. On parlait des fameuses 5 minutes avant le coup d'envoi d'une deuxième mi-temps. Là, c'est les 5 minutes après une ouverture du score qui vont être très importantes maintenant à gérer. Exact, ouais, des moments clés dans des matchs.
Et donc c'est l'entrée de Jordan Radojevic. Alors est-ce que c'est une entrée prématurée quant à la blessure d'Isiaka Bamba? En tout cas, Jordan Radojevic est bien entré sur la pelouse pour faire une nouvelle fois la différence dans cette rencontre. Il en a fait beaucoup au TUGG, Jordan Radojevic. Des différences, alors c'est pour remonter très très loin dans le... Enfant du club, Rado. Exactement, c'est pour remonter très très loin dans les années, mais c'était il n'y a pas si longtemps finalement. Hein. C'était quand le club était en R1, avec un but magnifique contre Lucien-Zier en Coupe de France. Il en a fait beaucoup. Hein. À Camille Fournier, à Moana, à Vongy. Il a toujours joué ici ? Il est arrivé en U12. Oui, il a toujours joué ici. Il a toujours joué ici, hein. C'est vrai que dans sa carrière entre guillemets professionnelle, il a toujours fait le TUGG, mais voilà, pour remonter un peu plus dans les années, il arrive de l'ES Sier. S'il y a des Siézois dans les commentaires, on vous fait une petite dédicace. Et notamment un éducateur du club qui est passé par Sier, c'est Jason Da Costa, à qui justement on va faire une dédicace. Jordan qui a des fans, hein, Gwen, Colin, Samuel, beaucoup de monde derrière lui. Et qui sont contents de le voir rentrer. Et allez, Mathis Lericia qui a passé l'épaule. Et ça sera une touche finalement alésienne. C'est Correa qui est au duel avec Mathis Kliricia. Allez, Djabou. Touche longue pour trouver Franco. Et qui, grâce à sa prise de balle, se retourne. La frappe instantanée. Mais l'arrêt de Modiba. Qualité technique très haute, très élevée de la part du numéro 8, tu l'as évoqué. Oui, oui, voilà. C'est sûr. Bah, c'est ce que je disais au début, c'est pas un joueur qui a un physique ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur qui se démarque par sa qualité technique, par sa vista, son intelligence de jeu. Quand on parlait de Nat tout à l'heure, qui avait un peu un profil défensif, mais un peu équivalent d'une certaine manière. Et on le voit beaucoup, Franco, dans ce match. 31 ans, Franco, qui a de l'expérience. Il est passé par Angoulême, notamment en National 2. Beaucoup de clubs au niveau national. Allez, Modiba. Allez, c'est la voix d'Hakim Malek, hein, qui va être importante maintenant dans ces dernières minutes pour pousser ses joueurs. Le coach alésien, très calme pour le moment. Ça, ces ballons, ils sont importants. Et ensuite, Rado, c'est super bien joué. Il faut le laisser avec face au jeu, Jordan Radojevic, Abdoulaye Diaby. Il y a peut-être une petite faute s'il laisse jouer. Abdoulaye Diaby qui a voulu prendre le ballon à son compte, mais Jordan Radojevic était bien placé pour justement se projeter. Ah, c'est dommage, première intention, il y avait de l'idée. Capable de nous surprendre, Johan Branger. Passé par l'Angleterre, notamment. En D4 anglaise. Et c'est aussi Jérémy Balmy aussi qui est passé par l'Angleterre. Exact, oui, Jérémy. Bah, d'ailleurs, ça a été... Oxford United et Oxford City. Ça a été plutôt une bonne chose pour nous, on va dire. Que ce soit Balmy qui prenne un rouge, parce que c'est un joueur qui, techniquement, est vraiment à l'aise et qui peut apporter du danger. Quand je dis technique, je parle surtout des passes qu'il est capable de faire, de trouver. Et c'est pas plus mal qu'il ne soit pas sur le terrain pour nous aujourd'hui. Et maintenant, Oxford City évolue en 5e division anglaise et United, et Oxford United pardon, évolue en 3e division anglaise. Donc, c'est vous dire les clubs dans lesquels a évolué Jérémy Balmy, le numéro 10, donc, qui a écopé d'un carton rouge. C'était à la moitié de cette première mi-temps. Il va rester un gros quart d'heure avec le temps additionnel sans doute. Il va falloir essayer, c'est ce qui n'est jamais facile, te dire est-ce que tu veux mettre le deuxième, est-ce que tu veux fermer, sachant que tu es un de plus. Là c'est au coach de faire le travail. Ouais, c'est double changement donc pour Alès avec la sortie de Théo Pérard. Qu'on a un peu moins vu, en tout cas plus sur le côté défensif forcément dans cette deuxième période. Après c'est des joueurs qui parfois... vont moins claquer aux yeux quand on est comme ça en tant que spectateur, mais qui font beaucoup, qui font un travail de l'ombre, parce que c'est quelqu'un qui a un gros coffre, qui fait beaucoup de courses, qui presse bien. Donc le grand public va peut-être moins le remarquer sur un match comme ça, mais qui est souvent très précieux, à l'image des fois de ce que Wail nous peut proposer au TEG. Mais ces joueurs-là sont très importants, forcément, c'est pour clair, un collectif.
C'est une équipe hein, et il faut des profils très différents selon les postes et pour trouver un équilibre. Allez, les Shaibi avec Tikoro Keita. Allez, ballon perdu. Et tout de suite récupéré par Elias Shaibi. On a dépassé les 1000 spectateurs qu'on me dit à l'oreillette. Bah merci à tous. Et on a Paga au milieu du terrain. Non, c'est pas... ouais, tu peux nous en dire plus, Paga ouais. En tout cas, on te le souhaite. Sûrement le réseau qui a coupé pour Paga. Ah si, on a Paga, je pense qu'il va, il va arriver dans quelques secondes. Reporter terrain du soir. C'est notre Paga en tout cas. Oui, Pierre, pour nous qui faire va, suivre. Il va nous donner son avis sur la rencontre. En immersion au bord du terrain, vous ne le voyez pas forcément. Paga, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Monsieur Pierre Mangold hein, qui était au commentaire avec moi contre Jura Sud. Comment vis-tu la rencontre? Très très stressante hein. Heureusement qu'on a marqué parce qu'on avait du mal à se libérer, même dans les tribunes en tout cas. En tout cas, on a fait un ouf de soulagement suite au but d'Ilyes Shaibi. Ah, tu m'étonnes, elle fait du bien celle-là. Hein. Ancien joueur de National 3, Pierre Mangold, latéral droit. Il faut l'évoquer, responsable financier maintenant au TUGG. Ah, bravo à Pierre. Bravo à Pierre. Et la tête de Nathanaël Dieng. Déviation de Wailes Safiani. Joanne Branger. Avec Tikoro Keita qui a de l'espace pour avancer. On va combiner avec Elias Shaibi. Oui, c'est bien fait. Il en a encore du gaz pour délivrer un très bon centre pour Abdoulaye Diaby. Je sais pas combien il a fait de centre ce soir, Tikoro, mais franchement, il a apporté des ballons. Il en a apporté beaucoup. Je vais même te parler en kilomètres, même Val pour le coup, en kilomètres qu'il a fait. Car, on va voir les GPS. C'est énorme. Toutes les données vont être recueillies par Nicolas Roberecht, préparateur physique. Et ça, forcément, en tant que préparateur physique, on aime bien voir des joueurs qui courent. C'est sûr, surtout à des postes clés comme celui que je connais bien, de latéral. Et il faut apporter des courses, il faut essayer d'apporter un surplus, déjà bien faire son travail défensivement. Mais quand on peut apporter en plus devant des courses, des dédoublements, des centres, bah, c'est qu'on fait un match souvent très abouti. Pour le moment, dans les rencontres à 18h, ça n'a pas bougé depuis la dernière mise à jour qu'on vous a fait. Allez, Anthony Scaramuzzino qui va une nouvelle fois mettre ce ballon dans la boîte. On s'est projeté en nombre pour aller jouer un ballon sûrement de la tête. Maintenant, il faut être au deuxième ballon. Il a la tête de Jordan Radojevic. Et le beau ballon en profondeur tout de suite pour Betra. Le TUGG. Le TUGG qui est très peu mis en difficulté hein, sur ces ballons-là. Ouais, il y a les petites mains très en plus qui n'a pas été sifflé, mais faut faire attention. Et ballon dans la surface. Wailes Safiani, il faut sortir ce ballon. Et ça sera finalement un corner. Comme quoi, des situations qui sont pas forcément dangereuses. Il faut rester très vigilant. On est 15-0, pas prendre de risques, enfin éviter en tout cas. Ça va, on s'en sort bien. Attention à ce corner quand même. Et on joue la 83e minute de jeu. Et c'est encore là, hein, sur ces coups de pied arrêtés, où il faut rester très concentré. Deuxième mi-temps qui finalement est un peu moins bonne que la première. Mais bon, on est devant pour le moment. Allez, Franco. Et Modiba, des points. Ah, bravo, Modi. Oui. Cette fois-ci, Djabou avec Correa. On l'a dit, qui effectue ses premières minutes avec Alès, le centre de Franco, la tête. Oh, une nouvelle fois, l'intervention de Tikoro Keita. Il avait sauvé un but la semaine dernière. Il nous rapporte des points. Contre Jura Sud, oui, effectivement. Vous allez bientôt le voir dans les QDF. Et là, maintenant, ça s'échauffe un tout petit peu. Ça se rassemble autour de Wailes Safiani. C'est des choses que c'est vrai qu'on parle beaucoup des attaquants à juste titre hein, quand ils nous sauvent et qu'ils peuvent marquer des buts, mais on a des points précieux ramenés par des sauvetages qu'on oublie peut-être un petit peu plus facilement mais qui sont ô combien importants. Et c'est souvent le cas pour beaucoup de nos défenseurs. Ouais, cette intervention de Tikoro Keita, ça vaut un but. Ouais, on va se le dire. Complètement. Et là c'est un coup franc. Une nouvelle fois. Mais il y a coup franc pour Alès. Ouais, c'est une intervention un peu trop musclée.
a jugé Monsieur Le Pay de Weil et Safiani. Alors Maudit va être remis sous pression sur ce coup franc. Alors on nous demande qui est le buteur, c'est Ilyes Chaibi, 6e but de la saison pour le numéro 9. Et là c'est Lucas Franco, je pense qu'il va se charger de ce coup franc, sans doute direct d'après moi. Attention à Maudit. Je pense qu'il va essayer de la mettre au-dessus du mur, ça m'étonnerait qu'il la centre. Allez, 85e minute de jeu. Coup franc pour Alès, Lucas Franco et Correa autour du ballon. C'est sans doute Franco qui va s'en charger. Franco qui brosse ce ballon. Oh, pour l'égalisation alésienne. Oh, c'est Betra qui était sorti du banc pour égaliser. Un partout entre le TEGG et Alès. Oh, le coup franc très bien brossé de Franco. On l'a dit, il faut s'en méfier de ce qualité de pied. Et là, c'est Betra sorti du banc pour égaliser. Ça fait un partout, 85e minute de jeu. Ah ouais, il est dur celui-là. Il est dur. On en parlait tout à l'heure, les coups de pied arrêtés. C'est au final ce soir ce qui débloque le match des deux côtés. Mais bon, c'est là où il faut être fort. Il reste 5 minutes, il faut que tout le monde en ait un de plus. Il faut se ressaisir de suite et aller arracher la victoire. On est capable de le faire, j'en suis sûr. Brian et Greg vont porter l'équipe pour aller chercher cette victoire. Il va falloir faire 5-10 minutes non pas à 100, non pas à 200, mais à 1000%. On a eu des matchs très tendus sur les dernières minutes, notamment Toulon, où Baptiste Macon avait fait la différence, là, qui est absent ce soir, mais qui avait fait la différence dans les dernières minutes pour donner la victoire au TUGG. Allez, se rappeler de ces très bons scénarios dans ces dernières minutes pour marquer et reprendre l'avantage le plus rapidement possible, car il reste maintenant 4 minutes dans le temps réglementaire. Oui, là, il n'y a pas la place à la déception, à la frustration, à quoi que ce soit. Là, c'est de suite la réaction et aller reprendre l'avantage. Allez, Elias Chaibi. Allez, Jordan Radojevic. Avec Nathanael Dieng. Anthony Scaramozzino. La tête d'Abdoulaye Diaby. Allez, faut être au deuxième ballon. Allez, Jordan Radojevic, il l'est au deuxième ballon. Allez, voilà, c'est ça. Bonne intervention de Kroos. Et c'est un bon coup franc à venir pour Ilyes Chaibi. Alors que c'est Weil Safiani qui va céder sa place et l'entrée de Pascal Leno. Allez, on a dit, on a évoqué Pascal Leno qui peut faire la différence dans ces dernières minutes. Il l'avait fait au match aller. Ah, Pascal qui va apporter toute son envie, toute sa qualité de finition également. Et qui va faire sans doute du bien devant là. On doit gagner ce match. Allez, Ilyes Chaibi sur coup de pied arrêté. C'est une rencontre. C'est vrai que par contre, je le vois dans les commentaires, j'ai vraiment pas compris cette faute sifflée. Je pensais que même elle était pour nous. Mais bon. C'était une intervention sans doute maîtrisée de la part de Weil Safiani. Alors forcément, ouais, on n'est pas à la place de Monsieur Le Pay. Allez, Ilyes Chaibi, c'est parti au premier poteau. Ah, Wassim Mamadi était présent. Ilyes Chaibi qui va être gagnant du ballon pour remettre ce ballon en l'air. Et trouver la tête de Jordan Radojevic. Oui, Diaby, ouais, qui pensait que Pascal Leno s'était projeté. Allez, c'est pas grave, faut aller presser vite, les faire jouer pour récupérer le ballon. Allez, Djabou. Allez, la bonne vigilance de Nathanael Dieng de la tête. Wassim Mamadi, c'est bien fait. Là, il faut ce genre de sortie de balle pour pouvoir créer des supériorités numériques très haut. De Wass et Johan. Et allez, faut aller de l'avant. Bravo Elias, qui s'était bien orienté mais qui perd ce ballon. Et il faut faire les contre-efforts maintenant. Franco avec Betra, ouais, ils seront importants ces contre-efforts pour ne pas encaisser de potentiel deuxième but. Mais on va voir du côté de Tonon, on va voir le positif. Et c'est nous, c'est le TGG qui vont marquer le deuxième but, on l'espère. C'est nous qui allons marquer ce deuxième but et non Alès. Allez, la sortie de Lucas Franco, évidemment, qui va prendre son temps pour sortir. C'est ça aussi le jeu. Ouais, qui a fait une très belle prestation, qui a été
peut-être le joueur le plus dangereux côté alésien. Passeur décisif. Ouais, passeur décisif. Et l'entrée d'une recrue, le numéro 26, Yalaoui. Recrue de cet été en provenance de Fréjus. Et qui joue au poste de défenseur central. Alors forcément, là, c'est un changement défensif. Allez, on arrive dans la dernière minute du temps réglementaire. Je pense que l'arbitre va bien rajouter 4-5 minutes. Et c'est fini. C'est fini à Cannes, victoire 5-0. Des Canois contre Toulouse. Correa avec Betra. Et bonne intervention de Wassim Amadi, c'est précieux. Ah, il semble s'être claqué sur cette intervention. Il faut serrer les dents, il ne reste pas beaucoup de temps. Ballon une nouvelle fois. Joué sur le numéro 7, Betra. L'arbitre qui ne veut pas arrêter le match, mais c'est... on a du mal à comprendre. Ouais, c'était Yalaoui qui s'était joué de Jordan Radojevic. Faute du numéro 8. Peut-être Kevin Afogou qui va finalement rentrer pour compenser les crampes de Wass. Alors ce match nul nous arrangerait pas forcément, hein, car j'aurais su de gagner à Andrézieux. Mais l'adversaire le plus proche, c'est Andrézieux. Donc d'un côté, on aurait gagné un point par rapport à Andrézieux. Mais il faut voir plus haut dans ces dernières minutes. Allez, à l'image de cette déviation, Gilles Chaibi, on veut aller chercher les trois points. C'est ce qu'il faut, aller Pascal. Pascal Leno, allez, la vitesse d'Abdoulaye Diallo, Diaby, pardon. Allez, on est dans le traditionnel, faut mettre un bon ballon devant le but. Allez, Tikoro Keita, c'est trop long devant le but. C'est un de ses rares centres ratés de la rencontre. Le ballon qui s'est envolé. Derrière la cage d'Éric Moreau et on reste à terre pour Djabou. Numéro 3, capitaine Vaillant d'Alès. Qui vont prendre leur temps, je pense, à l'aise avant de repartir, parce que ce nul arrangerait un peu personne, mais bon, à 10 contre 11, ils sont revenus un petit peu de nulle part, malgré une super prestation en première mi-temps de notre part et une deuxième un peu plus compliquée. Ouais, sans doute aussi de la frustration. Ouais, bien sûr, faut essayer d'arriver à la mettre de côté sur ces dernières minutes et vraiment être focus sur... Allez chercher la victoire. Allez, Éric Moreau, très loin forcément. On va trouver des joueurs costauds capables de garder le ballon. Allez, c'était un bon ballon donné par Jordan Radojevic à Joanne Branger. Ilyes Chaibi qui est maintenant en 1 contre 1. Ilyes Chaibi, le crochet, oui, il a fonctionné, le centre devant le but. Oh, putain, oh ouais, c'est contré par un défenseur alésien. Et c'est Wassim Amadi qui va obtenir cette touche. Mathis Caricia, la remise manquée. Ballon toujours pour le TGG. Allez, il nous reste quelques minutes maintenant pour refaire la différence dans cette rencontre. Là, j'ai pas vu combien il a mis de temps additionnel. T'as vu ou pas ? 6 minutes de temps additionnel. 6 minutes de temps additionnel pour aller chercher un résultat. Là, il y a petite faute dans le dos. L'arbitre siffle pas. Allez, maudit, il faut jouer ce ballon pour remettre vite. Et le bloc alésien, on voit qui remonte très fort, mais qui va aussitôt s'arrêter parce que maudit va allonger. Il faut gagner ses duels. Ouais, la tête de Wassim Amadi. Allez, Mathis Caricia, allez, il y a un bon ballon à jouer. Mathis Caricia, le centre. Yafrat se manque, mais Duponchel est bien sur le ballon. Ah, bravo, Rado. Jordan Radojevic du pied gauche. Bonne intervention de Djabou. Escara, encore une fois, premier sur cette balle. Comme souvent, dans cette rencontre. Comme toujours. Et la bonne intervention de Joanne Branger. Ouais, lui qui a été. Qui est rentré pour justement apporter un peu plus offensivement. Là, ces dernières minutes, il va devoir aussi bien défendre dans ses transitions alésiennes.
Allez, la tête de Nathaniel Dieng. Jordan Nadojevic avec Tcheko Keita. Allez, on se projette. Il y a Mathis de l'autre côté également. Tcheko, il les aime bien. Il les aime bien et elles sont très bien réalisées. Un ballon que j'ai pu avoir contre Bourgoin. Non, mais c'est vrai qu'ils peuvent être très dangereux, hein, qui paraissent anodins, mais qui donnent des occasions. Joanne Branger. Et là, on risque de retrouver peut-être Tcheko qui va dédoubler dans le dos. Ilyes Chebi. Ilyes. Qui aura l'apport de Tcheko Keita. La frappe d'Ilyes Chebi contré. Allez. Allez, Jordan Radojevic. La frappe. Ouais. Et le but. Et le but. Yes. De Jordan Radojevic. Yes. Qui se fait lever la foule. Du stade de Montjuïc. On l'a évoqué. Il en a fait tellement de différence. Il en a fait tellement de différence. Que ce soit à Camille à Moana. Il est maintenant à Vongy. Jordan Radojevic. Il est génial. Quel but! Le football, c'est génial. Oh oui, c'est exceptionnel! Mais Rado, quelle frappe! On en a parlé tout à l'heure. Sa qualité de frappe. Rado, j'ai envie de te faire un câlin. Rado, t'es un génie. Quel but de Jordan Radojevic, l'enfant du club, comme un symbole pour redonner de l'espoir au TGG dans la course précieux. Du maintien. C'est ce qu'on a dit, il s'est relevé la tête après avoir pris ce but, ce qui est très dur à faire parce que c'était un coup de massue, ce but dans les 5 dernières minutes, et on l'a très bien fait avec de l'envie. Et Rado qui vient envoyer un missile qui est touché par Eric, qui arrive quand même à toucher ce ballon, mais qui finalement va quand même au fond des filets. Et merci Rado pour ce but. Merci pour les travaux, on dirait, Jordan Radojevic. Exactement. Ce ballon entrée de surface qui fait mouche. Et là, ça a changé forcément l'état d'esprit de la formation alésienne. Ah, Rado, mais quel but précieux. Je suis en feu là. On l'a évoqué, hein, il en a fait des différences, il en a fait surtout dans les dernières minutes. Ah, et là, il fallait être lucide, hein, parce qu'elle paraît facile, hein, mais elle est loin de l'être dans un moment crucial comme celui-là. Et Eric Moreau arrive quand même à la toucher, hein, c'est vous dire la qualité de ce gardien aussi. C'est vrai. Rentrer pour faire la différence, Jordan Radojevic. Allez, il faut maintenant être faut tenir, ouais. Ouais, très concentré dans ces dernières minutes. Ah, bravo, voici Mamadi. Nathaniel Dieng finalement qui va la jouer du pied gauche. Voici Mamadi. Et là Mathis, faut toucher ce ballon. Là, se servir de son gabarit, c'est très bien fait. C'est bien fait. Et là, elle est loin. Elle longe la ligne doucement mais sûrement. Et on a l'effort, regarde, de Pascal qui vient pour ces quelques minutes déjà. Ouais, quand mettre il peut pas une être, dalle de l'envie. Quand il ne peut pas être en position du ballon, défensivement il est précieux. C'est très important. Allez, Joanne Branger, il faut y aller. Oui, il va y aller. Joanne Branger, pardon. Je me suis fracassé la main. J'ai tapé. Ouais, il y a un trou dans la table, Val. Ah oui, tu feras gaffe. Ah, c'est ce qu'on dit, c'est plus stressant de ne pas jouer et allez, de ne pas contrôler. Abdoulaye Diaby, allez, contre son ancien club, il aurait peut-être pu faire la différence sur ce ballon de Wassim Mamadi. Allez, encore une fois, les défenseurs vont être de mise et la bonne bravo, déviation. Tcheko, toujours là, Tcheko. De Tcheko, Keita et Modiba et dans oui, les bras Modi. Pour forcément gagner du temps. Et c'est terminé. C'est terminé. Elle est belle. Elle est super belle. Elle est super une rencontre. Belle. Elle est précieuse. Palpitante. Et on va aller chanter dans le vestiaire. Je vais vous laisser parce que je vais rejoindre tout le monde. Evan, merci. Merci à toi, Val. De m'avoir proposé de commenter ce petit match pour me consoler pendant ma blessure. Ça m'a fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que là, l'épisode va être fou. J'ai hâte de le voir moi-même. Donc, elle fait du bien, elle fait plaisir. Merci, Val, en tout cas, pour cet apport précieux durant. Cette rencontre dans tes commentaires, toute Monsieur, la communauté t'en remercie. Mais c'était sympa. Ouais, merci à tous d'avoir suivi. Evan, moi, je te laisse là. Merci. Bien sûr. À tous ceux qui ont regardé le match. Et on se retrouve très vite dans QDF. Deux rencontres qui auront été palpitantes contre Alès avec une victoire 2-0. Une victoire 2-0 à l'extérieur à Alès et une victoire là 2-1 ce soir qui va faire beaucoup de bien aux hommes de Brian Bergugnou. Un déplacement maintenant contre Fréjus nous attend la semaine prochaine. Il va falloir garder cette dynamique d'invincibilité. Quatrième match sans défaite pour le TEGG. On va vous laisser là, chers téléspectateurs. Merci une nouvelle fois d'avoir suivi cette rencontre à nos côtés sur la chaîne YouTube du TEGG que... Vous pouvez désormais maintenant vous abonner sur la chaîne du club pour suivre toutes les rencontres à domicile du TEGG et quelques rencontres à l'extérieur notamment. On vous remercie, chers téléspectateurs. Bon appétit à tous avec ces 3 points. C'est toujours précieux et meilleur quand on savoure un plat quand il y a 3 points du côté du TEGG. On vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée à tous.